Amaka. Bonjour, frère Chibé. Bonjour, comment vas-tu? Je veux bien, merci. Waouh, une chanson très merveilleuse, avec une voix très merveilleuse. Ta chanson peut faire partir tout le souci. Merci beaucoup. Désolé, où est-ce que tu as appris cette merveilleuse chanson? Oh, ça, c'est mon père qui me l'avait appris. Oui, tu sais, mon père était l'un des chanteurs royaux. Waouh. Il était talentueux et voilà pourquoi il m'avait appris ça. Waouh, ton père est vraiment talentueux pour t'apprendre une telle merveilleuse chanson. Oui, c'est ça, merci. Amaka, désolé, il y a quelque chose que je voulais bien te dire. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Non, 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 rien. Mais Amaka, je veux que tu sois particulièrement mon ami. S'il te plaît. Pardon, excuse-moi, ma maman m'avait envoyé, alors elle m'attend. Mais s'il te plaît, je ne te prendrai pas assez de temps. Je ne te prendrai pas assez de temps. Juste un tout petit peu. S'il te plaît, Amaka. S'il te plaît, juste Amakatsuku, que. maman! Je t'ai envoyé il y a très longtemps. Non, non! Tu dis non, non! Maman, j'ai planté et lui m'est parlé. Allez, va à la maison! N'importe quoi! Oui, maman! Quelque chose ne va pas dans ta Non, tête? maman! Et toi, stupide garçon, peu importe comment on t'appelle! Irresponsable, tu veux jouer avec ma fille? Tu attends sur la route en utilisant ton téléphone, en attendant une jeune fille que tu peux engrosser. Tu as besoin de rendre toutes les jeunes filles de ce village enceintes, et même la mienne, ça n'arrivera pas. Maintenant, écoute ceci. Reste loin de ma fille, Amaka. Sinon, tu verras de quel bois je me chauffe. Tu vas regretter ce que je vais te faire. Maintenant, dégage d'ici, mon Mais ami. maman, maman. Va-t'en d'ici, regarde-moi son visage. Maman, j'aime votre fille. Un garçon désespéré qui n'a même pas de ceinture. Et toi, Amaka? Mais maman, j'aime Quand Amakao. je te verrai, tu verras ce que je vais te faire. Hey. Je veux que tu lèves la voiture. D'accord, mon prince. Servante, Oui, mon prince. approche. Arrange bien cet endroit, je vais me mettre là. Oui, mon prince. Salut chérie. Bonjour, mon prince. Pourquoi m'as-tu pas appelé comme promis? Pourquoi? J'attendais que tu appelles. J'étais très occupée au bureau. Ok. Bien, comment peux-tu te voir maintenant? Je suis très occupée au bureau. Pourquoi pas se voir le week-end? Hein? Elle est si occupée pour ne pas voir le prince. Très bien. Ma fille, d'où est-ce que tu viens à cette heure? Papa, Je n'accepterai C'était... pas et je ne pense pas être la seule à avoir une fille dans cette communauté. Ma chère, tu ne me mettras pas dans le trouble. Tu ne mourras pas, je te dis. Quel est ton problème? Maman Maka, qu'est-ce qu'il y a? Non, Pourquoi ne tu dis rien. cries? Ne dis rien. Parce que je n'ai pas vu, c'est pourquoi je crie. J'ai trouvé ta fille dans la rue, avec un jeune homme. Sans aucune honte. Je l'ai attrapée en train de causer avec un jeune homme. Et le grand problème est qu'il est irresponsable. Agamé est fou. Tu parles avec lui en route. Quel genre de bêtise est-ce? J'étais envoyée au marché, question d'aller et de revenir. Mais je te trouve en train de causer avec un homme. Amaka, est-ce que c'est vrai ce que ta mère dit? Non, papa, c'est Hein? pas vrai.
Ce n'est pas vrai. Donc tu veux dire que je mens? Maman, je n'ai pas dit que tu mens. Alors qu'est-ce que tu insinues? Tu n'étais pas debout avec un homme à la route? Papa, je n'aime pas du tout ce que maman fait. Oh. Ça ne me plaît pas. Elle m'a demandé d'aller prendre les habits pour elle. À mon retour, j'étais en train de chanter et tu dis apprécier ma voix. Voilà, c'est tous ces compagnons. Mensonge. Maman, nous n'avons rien fait. Mon ami, tais-toi. Il a aimé ta voix. Après quoi? Est-ce que tu chantes plus mieux que ton père? Combien il a arrêté des femmes qui savaient chanter en chemin? Hein? C'est toi qui as la plus belle voix dans tout le monde, que tout le monde peut s'arrêter quand tu chantes. Je vous observe toutes deux. Vos regards disent des choses. Il va toujours commencer à apprécier ta voix. Maman, Amaka, calme-toi. C'est fini, calme-toi. Amaka? Papa? Ta mère veut du bien pour toi. Ce n'est pas du tout bien voir une belle fille comme toi autour de jeunes garçons de sa communauté. C'est bien que tu sois toujours une fille modèle. S'il te plaît, je t'en supplie, ne nous amène pas la honte et la disgrâce. Oui, papa, je ne le ferai pas. Maman, je suis désolée. Oh. Papa, s'il te plaît, pardonne-moi. Je te pardonne. Je vous promets de ne pas amener la honte et la disgrâce dans cette famille. C'est maintenant ma fille qui parle. Maintenant, tu parles comme la fille que j'ai donné naissance. Hein? Pas comme une fille légère de la rue, debout avec n'importe qui. Maintenant, écoute. Ce que tu as à faire maintenant, c'est de tout oublier et faire ta vie. Passe parfaitement ton examen. Pas tomber amoureux de ce vaurien. Ma chère, la vie n'attend personne. Si tu veux être inutile, tu seras inutile. Si tu veux être utile, elle fera de toi utile. Est-ce que je me suis fait comprendre? Maman, je viens juste de promettre que je ne veux pas apporter la honte et la disgrâce dans cette famille. Alors je veux me mettre à beaucoup étudier. Et quand je veux finir mon test pour l'université et je veux réaliser mon rêve d'être avocate. Une avocate dans ma maison. Quand tu deviendras avocate? Ma chère fille, dans cette communauté, ils feront référence à moi comme la mère d'une avocate. Hein? C'est ça, maman. Ah oui, ça, c'est ma fierté. Maman, Amaka, moi, je serai vraiment très fière. Je serai très fière avec ma barbe, papa de l'avocate. Naï, qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu dis qu'on va t'appeler père d'une avocate. Non, je n'aime pas parce que c'est moi qui lui ai donné naissance. Ils m'appelleront maman. C'est bien, ma maman. Tu vois un peu ce que ouais. Ça. Ouais. C'est ça. Maman, je suis désolée. C'est bon. Va dans ces cas cuisiner ce que tu as apporté. Ok. Maman, il faut que je coupe ça. Non. Attends-moi, je vais venir le couper. Fainéante que tu es, elle me demande si elle va la couper. Non, attends-moi okay. Que je vienne la couper. Regarde alors prochainement que je te vois encore avec un garçon. Je fais vite, maman. Oh, c'est bon. Tu vois cette idée de ne pas parler à ta fille fait devenir les choses très bizarres et tu sais ce que ça va engendrer. Nous savons très bien ce qui va se passer. Nous devons surveiller cet enfant. Oui, oui. Tu ne seras pas appelé père d'une avocate si tu ne fais pas ce qu'il faut. Tu n'es là qu'à toucher ton menton et tu dis gna 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 gna. Nous continuerons à faire ce travail. Oh. Est-ce que tu t'entends parler? Tu parles comme si tu avais un double menton. Où est Kekwe? Où est Kekwe? Où est Kekwe? Hey! Bon après-midi, monsieur. Arrête avec tes bonjours. Où est ton père? Où est ton stupide père? Où est ton stupide père? Ichi, s'il vous plaît, arrête d'appeler mon père stupide. Non, non, arrête de les dénigrer. Arrête de me parler de ta Ichi mère. Koro, oh! Pourquoi tu me qualifies ainsi? Et Kekwe? Et Kekwe? Oui? J'espère que tu ignores qu'est-ce que je peux te faire si tu ne payes pas. Mon argent que tu détiens, toi, je veux pas seulement te tuer, mais je me tuerai aussi moi-même si tu ne payes pas mon argent. Mazé, pardon. On ne peut pas en venir jusque-là. Nous ne sommes pas sur le point de qui va tuer l'autre. Ce n'est pas vraiment nécessaire. S'il vous plaît. Mazo Koro, je te paierai tout ce que je te dois d'ici le week-end prochain. Vraiment, je te promets cela. Donc, ça ne vaut pas la peine qu'une personne tue l'autre. C'est tout. Hein? Oui. Je te préviens encore. Si tu ne me payes pas mon argent complètement, souviens-toi bien, tu étais venu à ma maison et tu t'es mis vraiment à genoux. Tu m'as supplié de te donner cette somme d'argent pour que tu l'utilises
en payant les frais académiques de ta fille. Si tu oublies, je te dis, je tiens à te rappeler. Mazé, cela ne t'apportera rien si tu l'insultes. Encore moins de créer le trouble, Mba. Il t'a bien promis qu'il va te payer la semaine prochaine. Accorde-lui une chance, hein? Il va te le payer. Mon père va te rembourser tout l'argent qu'il t'avait pris. Mazo Koro, c'est ma parole d'honneur. Je te paierai d'ici le week-end prochain. Sans problème, s'il te plaît. Oui. Et que quoi? Tu as dit la semaine prochaine? Ok, j'accepte. Mais souviens-toi, si tu ne payes pas la totalité de mon argent, ce que je vais te faire, mon cher, je te dis, ça va te dépasser dans toute ta vie. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Toi et ta femme, ne disez pas que je ne vous ai pas prévenu. S'il vous plaît, tu dois me payer mon argent. Je pars maintenant. Voyons voir la semaine prochaine. Et oh, quand est-ce que ce malheur finira? Apprêtez pour recevoir des insultes. Oh mon Dieu, fais-moi grâce. Fais à ce que je n'apprête plus, Jéhovah. Mon Dieu, regarde comment je suis traité. Oh, oh. Nani, cesse de te lamenter. Tout ira pour le mieux. Ah. Mon roi. Ma reine. J'ai remarqué depuis un moment. Tu as été dérangé et inquiet. Qu'est-ce que c'est qui dérange, mon seigneur, mon roi, Ogeni? Ma reine, les dieux m'ont béni avec des enfants. Oui. Des beaux enfants, filles comme garçons. Oui. Ils m'ont aussi béni avec la richesse, les objets matériels. Mais je ne suis pas satisfait. Oui, je ne suis pas content. Votre Majesté, tu n'es pas heureux? Je ne suis pas content. Votre Majesté, pourquoi tu n'es pas heureux? Quand bien même tu as tout ce que tu as désiré avoir. Je n'ai pas très bien compris. Dis-moi pourquoi. Ma reine, ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Ce n'est pas aussi simple que tu le vois. N'es-tu pas inquiète que nos deux fils ont refusé de se marier? Même lorsqu'ils évoluent bien dans leur carrière respective, n'es-tu pas inquiète? Alors c'est à cause de ça? Oui. Je suis inquiète. Et tu connais toutes les conséquences. Tu connais les conséquences s'ils ne se marient pas et qu'ils ne me donnent pas de petits-enfants avant que je ne rejoigne mes ancêtres. Oh, votre majesté, arrête de te déranger, rien ne va t'arriver. Je suis inquiète et je comprends très bien ce que tu veux dire. Mais que devons-nous faire? Ce n'est pas mieux pour nous de chercher pour eux? Qu'est-ce que t'en penses? Combien de fois? La dernière fois que nous les avons fait venir, l'autre disait qu'il se rendait aux États-Unis et l'autre disait qu'il partait pour de cours. Combien de fois? Chérie, donne-leur cette dernière fois. Essayons pour la dernière fois et je crois que cela va marcher. Je t'en prie. Vas-tu les appeler ou tu veux que c'est moi qui les fasse? Non, toi tu peux le faire, c'est mieux. Je suggère ainsi. D'accord alors, si tu penses que cette fois-ci ça va quand même marcher, je le ferai. Merci. Je le ferai. Ça c'est mon mari. Maintenant tu peux me faire un petit sourire? Bien. Je ne peux que le faire. Mes salutations, ma reine. Ma reine, c'est déjà prêt. Nous viendrons plus tard. Je ne suis d'ailleurs même pas sûr que je suis affamé. Ah, Igwe, on a fini avec ces problèmes. Allons-y prendre notre dîner, s'il te plaît, mon mari. Allons-y. C'est bon alors, c'est bon. Allons-y. Prends ton symbole. Merci. Après toi. Alors les filles, qu'est-ce qu'on fera si tu ne le prends pas? On doit oublier à propos. Oh. Oh, ma chérie, je pensais que vous n'allez plus venir.
Vous m'avez beaucoup fait attendre. Désolée pour toi, bébé. C'était pas du tout intentionnel. Comment? Que veux-tu dire? Voyons, on croyait toutes les deux que ton prince charmant sera là. Alors dis-nous, vous êtes très bien amusés. Mais chérie, je lui ai refusé de venir dans ma maison. Goma. Ouais? De quoi est-ce que tu parles? Écoute, si tu continues comme ça, tu finiras par perdre le prince. Mais Goma, avec cette attitude, le prince risque de t'haïr. Mais chérie, le prince va pas me haïr. Écoute, j'ai appris qu'il a abusé avec beaucoup de filles comme ça. Et je n'aimerais pas que ça soit aussi mon cas. Tout ce que je veux, c'est qu'il m'éprouve qu'il m'aime et qu'il me respecte avant de lui donner mon cœur et mon amour. Bien, tout ce que j'essaie de dire est que je pense que pour le prince, tu vas beaucoup le blesser, ok? Alors tu dois faire attention. Ma chérie, s'il te plaît, je t'ai entendu. Peut-on parler du business? Alors c'est quoi de bonnes nouvelles? Maintenant tu as parlé. Les commissionnaires du boulot ont approuvé ce que je proposais. Demandez-moi quoi? Il a approuvé et il a donné les contrats. Hey! Ce n'est pas une mauvaise idée. Je et pense qu'on est là pour le bus. Ah, c'est oui. Ça. Oh, voyons, on va le célébrer. Je vous l'avais dit. C'est une bonne chose. Ah oui, ah. Félicitations. Ah. Attendez, je vais prendre le champagne. Mais avant ça, nous devons danser comme ça. C'est du fou, vraiment. Oh mon Dieu. Ah oui. Oh mon ça Dieu. C'est mon bébé sexy. Oh, mon bébé sexy. C'est le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu. Dieu a fait quelque chose. Oh, pourquoi wow. Tu n'avais pas dit de plus? Allez, dansez comme vraiment. Vous voulez. Moi j'arrive. Allez, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Tu n'as pas un petit certificat? Non monsieur, j'attendais votre instruction. Très bien. Dépose-le ici. Tu peux partir, je te dirai quoi faire. Ok, monsieur. Excusez, monsieur. Salutations, mon fils. Comment vas-tu et ton travail? Oui, papa, je continue de foncer. Ça, c'est bien, c'est bien. Quelque chose est arrivé. Et nous serons obligés de tenir une réunion d'urgence ici chez moi au palais demain soir. Est-ce que tout va bien? Tu m'as entendu, fils? Je vais t'attendre demain. C'est bon. Attends, je vais t'attraper. Attends, tu vois. Je vais t'attraper. Attends, non, attends. Tu ne mourras pas. Obina. Allez. Arrête, non. Si tu veux que j'arrête. Arrête, Obina, arrête. Viens, viens. Arrête, non. Viens, si tu veux que j'arrête. Viens, non. Je ne veux rien faire de mal. Laisse tomber. Je te dis que je ne vais rien faire mais de mal. Mais c'est ce que crois-moi. Je suis en train de dire, non. Crois-moi. Oui, tu m'as eu. Regarde ce que tu m'as fait. Qu'est-ce que tu regardes? Je sais que tu as vu ça. Tu sais quoi? Attends maintenant que j'ai... Attends que je te donne ton présent. Ma très chère, c'est pour toi. Hein? Ce n'est qu'un petit sachet pour te montrer combien, comment je t'aime. Je les aime, chérie, c'est joli. Oui. Hé, hey, chérie, mon amour, c'est pourquoi je t'aime.
Je t'aime, chérie. Je t'en prie. Tu sais, je ferai n'importe quoi pour toi. Hein? Oui, c'est très aimable, bébé. Je t'aime énormément. Je t'aime énormément, bébé. Bébé. Quoi? Je te verrai plus tard. T'inquiète, je vais t'appeler. D'accord. D'accord, chérie. Pas de problème. C'est bien. Bye. Merci, je t'aime. Hein? Où est ma copine? Tu es là juste à faire... Tu n'as pas honte? Et tu es un bébé, ne sais-tu pas que Obina est mon petit ami? C'est quoi ça que je ne suis pas bébé, je connais Obina. Obina, ton petit ami? Oui. Ocho, hein? Donc tu es un petit ami? Bien sûr que oui. Hein? Je vois que vous vous aimez beaucoup. Oui, non? Écoute, tu as besoin d'un homme pour qu'il prenne soin de toi. Non! Tes parents ne sauront prendre soin de toi comme ils le font. Et tu... Non, 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 j'ai pas besoin d'eux. Ma mère m'a dit d'éviter les garçons. Elle m'a dit que si je ne les évitais pas, ils vont détruire mon futur. C'est ce qu'elle m'a dit. Ce n'est pas vrai. Écoute, la vérité est que Obina n'est qu'un de mes petits amis. J'en ai quatre. Et tous les quatre me donnent des cadeaux régulièrement. Si tu es partante, tu n'as qu'à me les dire. Comme ça, je vais t'introduire à l'un de mes copains. Comme ça, ils prendront soin de toi. Ils changeront ton look et ils prendront bien soin de toi. Je ne sais pas comment tu te comportes, hein, toi, deux fois. Ojoa, tu as dit quatre? Ce sont mes gars. C'est sûr que je peux compter. Ojoa, tu ne peux pas avoir quatre petits amis. C'est mauvais, non? Hein? En quoi est-ce que cela est mauvais? N'est-ce pas que c'est mon corps? Veux-tu me dicter ce que je dois faire de mon corps? Qu'est-ce que ça veut dire? Ojo, attends. Regarde, hein, comme une amie, je voulais te dire, ta mère sait que tu as quatre petites amies. Pourquoi je dois le lui dire? Excuse-moi. Ojo, je te reconnais plus. Eh hey, mon gars, ça c'est l'argent, je t'ai dit. Eh, hey, ça c'est l'argent, c'est du pognon, mon cher. Regarde ces cotes. Ah, tu vois ces matchs? Ah, je vais pas couper. Et je serai riche. Et pourquoi tu recommences? Peux-tu être aussi sûr de ce jeu? Ah, tu peux pas comprendre. Attends voir ce que ça pourrait donner, non? Oui, je dois d'abord aller parier pour d'autres matchs. Partir pour où? Parier? Tu veux me laisser ici? Mais oui! Je vois que tu es fou. Mon gars, regarde. Quoi ça? Regarde. S'il te plaît, épanne-moi un peu avec regarde, mes chers frères, bonjour. Grand Tuc, bon après-midi. Bonjour, petite sœur. Dieu? Hé, hey, dis-nous. Oui, ça va. Comment vas-tu? Oui. Hey! T'es où? Oh, tu vas mourir. Ça? Ah! Mais pourquoi tu la regardes comme ça? C'est juste que je suis confus. Confus, comment ça? C'est un macanon. Je l'aime énormément. Et je veux l'épouser. Mais les grands problèmes que j'ai, c'est sa mère. Elle ne veut en aucun cas me voir à côté de sa fille. Hein? Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il t'a dit? J'aime ma maca et je veux l'épouser. Je te jure. Et Bouka, arrête un peu tout ça, essaye d'être sérieux. Mais comment je peux être sérieux? On parle à propos d'argent, mon cher. Regarde comment ma femme est. Je ne veux pas la regarder, j'ai besoin d'argent. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Bon, ok, d'accord. Tu aimes vraiment cette fille? Je l'aime en tout cas énormément. Énormément. Bon, ça serait un problème. As-tu une quelconque solution pour que je puisse la voir? Je pense que tu dois parler à ton oncle. Oui, tu lui parles parce qu'il va t'amener chez les parents de Amaka directement. Bam! Amaka et toi. Et Bouka, je crois que tu as raison. J'ai raison. Et tu vois, tout ce que tu viens de dire, je n'ai jamais pensé à quelque chose de pareil. C'est pourquoi on m'appelle Ebuka. Tu as raison. Comment va Eke? Salut-le de ma part. Merci, bienvenue. Bienvenue. Ici, nous venons de la paix. Demander la main d'une fille dans ta maison. C'est vrai? Oui. Ok, puis-je savoir ce que vous attirez vers ma maison? C'est... Tu es de mon neveu. Mon fils.
Il a découvert une belle fleur dans ta maison. Et nous désirons l'arracher. Oui. Ok. Si tel est le cas, maintenant, je sais ce que vous êtes venu chercher chez moi. Mm-hmm. Je vais appeler ma fille Amaka pour que vous parveniez à me confirmer s'il s'agit d'elle. Oui, c'est Amaka. Hein? Amaka. Amaka. Oui, papa. Viens, s'il te plaît. Papa. Est-ce que tu connais cet homme? Je le connais, papa. Ils sont venus pour demander ta main en mariage. Si tu acceptes d'épouser ces garçons tièdes qui est assis ici, dis-moi maintenant pour que j'accepte toute la boisson qu'ils ont apportée comme présentation de ta main en mariage. Amaka, s'il te plaît. Mais voici en présence de tout le monde. Je veux que tu saches que je t'aime énormément. Et je veux que tu acceptes de m'épouser, s'il te plaît, Amaka. Lève-toi. Écoute. Tu me plais réellement. Et je t'aime aussi, ami. Hey. Aïe. S'il te plaît, mets-toi. Chidi, comme je l'avais dit, tu me plais vraiment. Tu me plais beaucoup. Tu as une belle apparence. Il y a plusieurs jeunes filles dans notre village qui aimeraient être ta femme. Mais je suis désolée. Je ne suis pas intéressée. Hein? Oui. Parce que je continue d'abord à faire mes études. Pardon, essaye de comprendre. Un jour, tu vas raconter quelqu'un qui t'aimerait beaucoup et aimerait être ta femme. Je suis désolée. S'il vous plaît, excusez-moi. Amaka, s'il te plaît. Amaka. Amaka, ne pars pas. Amaka, s'il te plaît, Amaka, je s'il t'aime. S'il te plaît. Hey. Amaka. Debout, ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien. Tu dis, les jeunes d'aujourd'hui sont toujours pressés. L'âge de la technologie, ça ne marche pas comme ça. Il y a des procédures à suivre dans cette affaire. Tous les deux là, vous avez peur de son apparence. Regardez comment on est. Mbano, ce n'est pas fini. Chide, Ugana, allons-y. Oncle, papa, s'il vous plaît, j'aime Amaka. Et je suis prêt à l'aider à continuer ses études partout où elle pourra aller les faire. S'il vous plaît. Vous comprenez? C'est pas ce que je vous disais ici. Oncle, juste comme ça. Papa. Il n'y a rien que nous puissions faire. Donc je dois partir. Vous pouvez la parler, mais elle peut changer d'avis. Oncle, juste comme ça, oncle. Oncle, essaye de faire quelque chose. Papa, pourquoi tu n'es pas heureux? Vous êtes le meilleur roi de ces royaumes. Ton royaume est parfait. Les gens te poussent même à la victoire. Tu es déjà heureux. Pourquoi ça? Vous deux êtes la raison de mon manque de joie. Que veux-tu dire, papa? Aucun d'entre vous ne l'a pris au sérieux. Le fait de trouver une femme et de se marier. Qu'est-ce que c'est? Vous attendez que je meure d'abord
et que vous le fassiez après, c'est quoi le problème? Papa, ce qui importe est que de trouver une femme qui le correspond. D'ailleurs, ces choses suivent une procédure. Premièrement, on doit trouver la femme, avoir son consentement avant de passer au mariage. Tu devrais le connaître, papa. Je ne me rajeunis pas du tout. Ni moi encore vous, vous ne vous rajeunissez pas du tout. C'est vraiment mon désir que vous vous mariez et que vous me donniez des petits-enfants. Et d'ailleurs, est-ce que vous oubliez que ceci est un des importants critères pour que vous soyez qualifié de prendre ce trône lorsque j'aurai rejoint mes ancêtres? Avez-vous oublié? Père, nous n'avons pas oublié, mais comme mon frère vient de le dire, nous ne sommes pas trop pressés pour le mariage. Il nous faut un peu prendre notre temps pour trouver la bonne personne pour toute la vie. Nous ne pouvons pas décider de faire tout ça seulement à cause du trône. Alors tout ce que nous demandons, c'est que tu nous donnes un peu de temps. Mais cela ne signifie pas que je ne parlerai pas avec John McKay. Nous prendrons le temps de revoir tout ça. Vous devez à tout prix intensifier vos efforts. Dans ce sens, je commence à devenir impatient à ce sujet. Vraiment d'accord, impatient papa. À ce sujet. Ce n'est pas en tout cas la première fois que je discute avec vous. Et je ne vois aucun signe que vous m'avez entendu. Je ne vois aucun signe que vous avez compris mon implication pour que vous arrêtiez d'être célibataire à ce point. Nous avons entendu. C'est ce que vous devez faire. C'est bon, papa. Essayez de vous parler. Hein? Jamike? Papa. Izuna? Essayez de vous parler. Merci, papa. Nous allons le planifier. Oui. Ça sera tout pour maintenant. Je dois aller me reposer. Yele yelamo. Yele yelamo. Yele libe kaye yelamo. Yele yelamo. Yele yelamo. Yele yelamo. Où penses-tu aller comme ça? Garçon, écoute. Écoute-moi. Écoute-moi. Je ne suis pas venu chercher les problèmes. Je ne suis pas venu non plus pour toi. Je suis venu uniquement voir mon prince. Laisse-moi passer vite. Si tu sais ce qu'il y a de mieux pour toi, tu ferais mieux de rentrer maintenant. Sinon. Sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Je peux va quitter. T'en. Je peux voir que tu veux te battre. Non, tu veux combattre, Tchoukou. D'accord. Apprête-toi de me combattre. Apprête-toi de me combattre. Hein? Apprête-toi. Hey, qu'est-ce qui se passe là-bas? Mon prince. Mes salutations, mon prince. Il demande de vous voir tous deux. Mes salutations, mon prince. Laisse-les passer. Hein? Mon prince. Mes princes, mes princes. Tu as de la chance qu'il t'aime. Ferme. Quitte ici. Mes princes, je vais commettre suicide. Mes princes, je vais commettre suicide. Hein? Approche-toi. Oui, approche-toi. Mes princes. Mes princes, longue vie à vous. Longue vie à vous, les deux princes de ce royaume. Longue vie à vous. Mes princes, je vous salue. Je vous salue, mes princes. Mes salutations, mes princes. Mes salutations. Oh. Hey. Je vous salue, mes deux princes de notre village. Je ne supporte pas ce genre de bêtises. Qu'est-ce que tu veux? Mon prince. Mes princes, vous avez oublié Tchoukoudi, grand mascotte. Anungangampi. Mes princes, j'ai entendu que vous venez de la ville. Et je suis venu. Prendre ma boisson de la ville. C'est important. À toi de jouer. Tu sais quoi? J'aimerais... Je veux te donner un peu d'argent. Hein? Okay? Mon prince. Ouais. Hey. J'espère que ça sera suffisant mon prince. Pour te faire plaisir. Tout cet argent, c'est pour moi? Hey, cet argent, c'est pour moi, mon prince. Mon prince. Hey. Mon prince, longue vie. Mon prince. Non. Mon prince, longue vie. Ne fais pas ça. Mon prince. Mon prince, longue vie. Merci, Ochoa. Prince Gadi. Tout ça, c'est pour moi. Mon prince, vous voyez, cet argent, c'est beaucoup. Tu peux partir. Mon prince, cet argent va me suffire. Garde, mon prince. Tu pars d'ici. Tout cet argent, c'est pour moi. Mon prince, je vais aller, ne me touche pas. Je vais aller, ne me touche pas. Ne me touche pas. Si tu veux la paix, avance. Avance. Mon prince. Au revoir. Au revoir. Je vais rentrer. Au revoir. Amaka. Amaka, j'ai gagné. Tout ça, c'est pour moi. Ça vient de mon prince. Arrête de parler, avance. Regarde, ne me bouscule pas. Amaka. Amaka. S'il te plaît, viens, ma fille.
Papa, tu m'as appelé. Oui, assieds-toi, assieds-toi. Je suis sûr, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a rien. Je t'ai appelé pour parler de ce qui s'était passé aujourd'hui. Papa, mmh? Je suis sûr que ce n'est pas à cause de Chidi. Non, ça ne concerne pas Chidi. Ça lui ne concerne pas. Et c'est quoi alors? Tu vois, je veux le meilleur pour ta vie. Ainsi, ma fille. Papa. J'ai vu ton désir et l'effort que tu fournis pour faire l'université. Mais le grand problème que je rencontre est que je n'ai pas l'argent pour tes études. Mais non, papa, que veux-tu que je fasse alors? C'est bien. Pourquoi tu me dis tout ça? Oui, ma fille. Je veux que tu considères l'un de ces hommes, ceux qui viennent souvent chez toi pour demander ta main en mariage. Tu peux avoir la chance. Tu épouses l'un d'eux, celui qui peut te faire étudier à l'université. C'est ainsi que j'aurai la paix. S'il te plaît, ma fille. Oui. Tu me compliques. Honnêtement, je ne comprends pas ce que tu dis. Explique-toi bien. Ma fille, ne sois pas confuse. Tout ce que je te demande, c'est juste de prendre ton temps. Pense de ce que tu as dit et de là, prends une bonne décision. Je veux le meilleur pour ta vie. Pardon, je t'en supplie. J'espère que nous avons des fils riches dans notre communauté. J'espère qu'ils nous seront généreux de réaliser notre projet d'électrification. Ne crois pas à ceux qui ont de belles paroles. Ils sont toujours aux alentours pour voir où je peux avoir l'argent. Ils empruntent, ils ne payent pas. Ils sont des incapables. Il ne faut pas les suivre. Bien. Bien, comme certains d'entre nous ne sont pas d'accord avec cet honneur dû. Au respect dû à cette communauté. Personnellement, je me mettrai à la défense et regarder comment les choses vont se passer. Ban, un ban. Ogo, si, si, avec ces blagues. Ça serait profitable pour nous tous. Oh. Uh-huh. Pour nous tous. Ichi, bonsoir, monsieur. Merci, Amaka, ça va bien, merci. Odema. Écoutez, vous m'entendez. Ezebun. Hein? Elle est qui, cette fille? Tu veux dire que tu la connais pas? Mon ami, si je le savais, je n'allais pas demander. Qui est-elle? C'est la fille de Oke Kwena. Tu veux dire que la fille d'Ekweke a grandi jusqu'à devenir une très belle jeune dame comme ça? Oui, elle n'est pas seulement belle, elle est aussi intelligente. L'une des meilleures filles intelligentes qu'on a dans notre communauté. Exactement. Deux attributs. Elle a énormément d'attributs. Elle a beaucoup d'attributs. Le meilleur. C'est vrai. J'avais essayé de la marier au fils de mon frère, Chidi. Mais elle a refusé. Elle a insisté qu'elle devait faire ses études à l'université et augmenter son niveau. Oh oh. Ah, ça c'est difficile. Ça c'est pas un petit problème. Son père n'a pas l'argent pour l'amener aux études supérieures. C'est impossible. Son père était mendiant et un pauvre. À l'instant, je vous parle. Son père m'a pris 13 millions de naira impayables. Et pour qu'il me paye, il me dit d'aller après une semaine. Par quel moyen il aura un rendement pour payer l'université? Je crois pas. C'est impossible. C'est impossible. Akadugo, je suis sûr que toi et le fils de ton frère, vous n'aviez pas bien fait votre travail à domicile. Sinon, cette fille qui vient tout juste de passer ici, ne peut jamais refuser sa mère en mariage. Donc, toi, tu devais demander sa mère à manger à notre place. Tu es plus intelligent que nous, c'est ce que tu veux lui dire. Donc, nous sommes fous. Si tu penses que tu devais demander sa mère en mariage, vas-y, va la marier. Pour tes fils ou peut-être que tu penses que ce n'est pas une réalité. Ah ah. Qu'est-ce que c'est encore? Tu n'es pas capable. Akadugo, maintenant c'est moi que tu veux défier. Ce que j'ai dit est très facile.
Va la marier. Prouve-le-nous. Vas-y. Tu veux maintenant me défier? Donc, parce que tu n'es pas en mesure d'aller épouser une petite jeune fille pour ton neveu, parce que tu manques le courage, la décence, l'approche, l'influence pour convaincre une jeune petite fille pour ton neveu, tu penses maintenant que tout le monde est comme toi, timide. Et c'est moi que tu veux défier? Prends ma main. Hey! Mais y'a quoi? Hein? Tant que je ne la marierai pas, pour le fils de mon frère, personne ne pourra le marier ici dans ce village. Ah. Personne ne pourra. Aka Diego, est-ce que c'est moi que tu défies? Tu peux essayer de faire ça avec toute autre personne, mais pas avec une personne comme moi. J'espère que tu connais la différence. Je sais. Oui. Non, non, je ne suis pas sûr que tu comprends ce que tu viens de faire. Je comprends. Si c'est un défi, tu n'as qu'à frapper ici. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc c'est vrai. Oui, c'est un défi. Essaye. Donc je dois comprendre que c'est un défi. Oui. Essaye de la marier. C'est moi que tu défies. Essaye de la marier, tu vas voir. Personne ne va les marier dans ce village. Même si elle obtient un diplôme, elle ne va épouser personne dans ce village. Personne ne va les marier. Regarde, avec quel argent qu'elle sera. Aka Diego a pu me défier. Hey! Aka Diego, donc tu as pu me défier. Nous allons bien voir. Oui, on va voir de ces villages. On va voir. Pourquoi tu l'as mis en défi? C'est que, est-ce qu'il saurait le faire? Cette fille est très disciplinée. Même si elle devient diplômée, personne ne pourra la marier. Je te dis qu'elle ne peut pas étudier, il n'y a pas l'argent. Encore si tu vas l'épouser, lui amène vraiment beaucoup d'argent, tu verras. Donc, la fille de Ekweke est maintenant le centre d'attraction dans ces villages. Mais attendez, est-elle plus belle que ma fille Obi? Et c'est même arrivé jusqu'au point où Aka Diego s'est enflé et s'est même permis de me défier. Je dois lui prouver et lui montrer qu'il avait tort. Ijele Okosisi. Il est temps de leur prouver ce que je suis capable de faire. Je m'en fiche. Je me fiche de ce que ça pourrait prendre. Je me fiche de ce que ça pourrait me causer. Je m'en fiche. Qu'est-ce que tu as dû comprendre en écoutant le prince parler? Ma chère, je crois très bientôt. La célébration du mariage aura lieu. Je le pense aussi. On aura l'opportunité de préparer un mariage. Alors dis-moi, est-ce que c'est ce qui doit te déranger maintenant? Alors pourquoi devons-nous nous déranger selon toi? Tu dois penser comment est-ce qu'on peut s'habiller pour qu'on nous admire, afin qu'on nous épouse aussi. Oui. Tu as raison. Mais tu sais que cela n'est pas possible. Et pourquoi tu dis ça? Tu essaies de me dire que les deux princes ont demandé ta main en mariage et tu as refusé? Non. Mais si l'un d'eux me demande, je vais carrément accepter. Mais je n'ai jamais vu l'un d'eux se marier avec une servante du palais. Sommes-nous des pécheresses? Pas du tout. Hein? Je veux que tu saches que nous avons toutes les chances de les épouser. Je te dis la vérité. De toutes les façons, prions sainement. Bien, et nous aurons notre chance. Allons-y. Tu es ici? Des mamans, je pense que tout va bien. Oui. Et pourquoi demandes-tu? Dis maman, j'ai remarqué que ton humeur a changé totalement.
Tu n'as même pas pu terminer le dîner que je t'avais servi. Qu'est-ce qui te dérange? Parle-moi. Bien, c'est au sujet de quelque chose dont tu ne dois pas t'inquiéter. Oh, c'est vrai? J'espère bien. Parce que je refuse que cette journée soit gâchée aujourd'hui. Rappelle-toi qu'aujourd'hui, c'est mon tour de partager le lit avec toi. Allons parler à l'intérieur. Je ne veux pas être distraite ici. Hein? Qu'est-ce que tu dis là? Tu parles de quoi même? Mon mari venir avec toi? Non mais tu es malade. Tu mens. Oh, Chakromaka. Coco, c'est quoi ça? Quel mari? As-tu un mari? As-tu payé ta dot? Ou c'est parce que j'ai accepté que tu sois ici? Hein? Mon ami, va-t'en! Le mari et la femme, monsieur et madame, sont en train de parler. Je parle à mon mari et il m'écoute. Alors quitte-la. Il ne t'a pas épousé. Tu n'as pas l'autorisation de venir ici me parler comme si c'était ton ami. Beau. Fais gaffe. Okokibo. Hein? Ok. Je vais te montrer ce que Okokibo est capable de faire avec des gens comme toi. Qu'est-ce tu vas dois faire? Partir. Allez, parce qu'aujourd'hui, c'est mon jour. Allez, debout. C'est quoi ça avec toi? Tu es stupide. Qu'est-ce que tu prends, hein? Tu es vraiment stupide. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est quoi avec toi, hein? Allez, quitte ici. Pourquoi tu es comme ça? Arrêtez-moi ça. Quitte ici. Il n'est pas ton mari. Est-ce que vous pouvez arrêter? C'est mon tour. Quoi tu parles? Il n'est pas ton mari. Écoute, arrêtez ça. C'est mon tour. Maintenant, vous deux, vous pouvez quitter de ma vue. Quittez-la. Chérie, je t'aime, mon amour. Mais c'est mon tour. Va-t'en. Tu vois, toi, tu es vraiment la stupide. Ferme. Stupide. On verra bien dans cette maison. Fais gaffe, je te dis. Attends, tu verras. Tu verras. Que tu allez, quitte, je vais passer. Quitte. Allez, laisse-moi. Tu ne vas pas entrer ici. Allez, tu n'entreras pas ici. Allez, quitte. Tu n'entreras pas. C'est pas quitte, ta maison je vais ici. Entrer. On ne t'a pas épousé. Quitte, vends-moi, je dis. Va-t'en. Allez. Tu n'entreras pas ici. Toi, allez. Je sais que tu es un imbécile. Attends, tu verras. Allez, laisse-moi. Quitte-la. C'est quoi ton problème? Allez, quitte-la. N'importe quoi. Idiote. Regardez-la. N'importe quoi. Vous vous battez à cause d'un homme. Ne vous inquiétez pas. Je suis en train de réfléchir à comment amener une troisième personne qui va vous deux partager. N'importe quoi. Oh, mon prince, sois le bienvenu. Merci. Mais je ne m'attendais pas à te voir. Comme tu refusais de venir chez moi. Je décidais de venir par moi-même. J'espère que je suis le bienvenu. Oh, bienvenue. Et qu'est-ce que je peux t'offrir? Rien. Juste toi. Okom. Je t'aime beaucoup. Du plus profond de mon cœur. Je veux que tu sois ma femme. Je ferai tout ce que tu voudras. Mon prince, que veux-tu que je dise maintenant? Juste, dis-moi oui. Et je te promets, je te ferai la femme la plus heureuse qui puisse exister. Mon prince, tu m'as déjà assez prouvé. Tu n'as plus rien à m'éprouver. Écoute, je sais que tu m'aimes. Et je t'aime aussi. Mais tu dois me promettre que tu ne vas pas briser mon cœur. Hey, regarde-moi. Je te promets. Je te promets avec toute chose que j'aurai. Je ne vais jamais briser ton cœur. Tout ce que je veux, c'est de te rendre heureuse pour toujours. Prends ça. Juste dis oui à ma proposition. S'il te plaît. Oui. Mon prince, je t'aime beaucoup. Je t'aime. Merci. Merci pour tout. Je t'aime pour toujours. Je te promets, je t'aimerai pour le reste de ma vie. Merci de me faire énumérer. Je te remercie. Viens là. Viens. Nous avons réalisé que 10 000 nerfs. 10 000 nerfs, hein? C'est tout ce qu'on a pour l'instant. Nous devons juste le supplier.
Nous allons ajouter plus tard. Pas de problème. J'ai perdu tout espoir. Non. Le voilà, il arrive. Nous sommes finis. Et quoi mon argent? Où est mon argent? Réponds d'abord à la salutation. Okay. Réponds. Bonjour, bonjour, bonjour. Et alors, où est mon argent? Bon, c'est ça. Ce n'est pas tout, mon cher. Où sont les restes? Dis-moi. Je dis que ce n'est pas au complet. Complète mon argent maintenant. Nanié, pardon, calme-toi. S'il te plaît, pardon. S'il te plaît, juste pardon, prenez ça pour l'instant. Hein? Nous pardon. Allons remettre le pardon. Reste plus tard. Et quoi? Je t'avais dit si je viens ici et que tu ne payes pas tout mon argent, je vais jeter un sort sur toi. S'il te plaît, écoute-moi, je te promets. D'ici deux semaines, je vais compléter ton argent. C'est impossible. S'il te plaît. Donne mon argent. Donne mon argent. Si tu ne donnes pas mon argent, je vais te tuer. Pardon. Non. Donne mon argent. Donne mon argent. S'il te plaît, pardon. Qui va te payer? Derrière, c'est mieux. Je ne vais pas seulement te tuer, je me tuerai. Donne mon argent. S'il te plaît. Donne mon argent. Donne mon argent. Dans deux semaines, je vais payer ton argent. S'il te plaît. Dans deux semaines. Je refuse. Au cours où je paierai ton argent dans deux semaines. Laisse-le d'abord. Qu'est-ce que c'est? Ok. Hé. Dis-lui de donner tout mon argent maintenant. Sinon, l'un d'entre nous va mourir aujourd'hui et maintenant. Donne mon argent. S'il te plaît, je te dis maintenant. Tu cherches un problème? Tu cherches un problème? Laisse-le. Encore ceci. Encore ceci. Laisse-le. Ok, je le laisse juste pour toi. Et même un vieil homme comme toi. Mais c'est quoi le problème? Combien est-ce que tu lui dois? 50 000 naira. Seulement? Oui, 50 000 naira. Pas vrai. 15 000 naira, c'est pas l'argent? Donne mon argent. Mon ami, Donne mon argent. Faudrait que tu te calmes. Juste à cause de 15 000 naira. Et tu es en train d'embarrasser cet homme devant sa femme. Oh. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien? C'est de trop. Oh mon Dieu. Je pense que... Là, tu as 20 000 naira. Tu prendras ces 15 000 naira comme étant la dette qu'il avait auprès de chez toi. Et tu prendras les 5 000 autres pour tout désagrément. Merci beaucoup, Okosisi. Mais toi, remercie le Dieu parce que Okosisi a payé pour toi. Sinon... Ok, Okosisi, merci beaucoup. Oui, tu peux partir. Ok, que Dieu te bénisse. Nani, merci. Okosi, merci beaucoup. J'apprécie beaucoup. C'est bon, pas de problème, hein? Pas de problème. Et tu n'as pas à t'inquiéter pour me rembourser. Pourquoi? Mais le plus important, tu dois savoir d'où est-ce que tu peux prendre de l'argent. Je suis là et je ne suis allé nulle part. Je suis ton ami et si tu as besoin d'une aide financière, tu n'as qu'à venir chez moi. Je te donnerai de l'argent. Regarde-moi un peu ça. Juste 15 000 naira. Pas ça. Tu dois vraiment faire très attention. J'étais en train de me rendre à la réunion de Zenozo. Lorsque j'ai vu tout ceci. Et c'est comme ça que je me suis dit que j'aille d'abord voir qu'est-ce qui s'est passé. Que je continue à me rendre là-bas. Ma chère femme, calme-toi. Calme-toi. Je m'en vais. Naï, merci. Au revoir. Prends soin de toi. D'accord. Oh. Et wo. Quel malheur. Tu dois faire très attention. Oui. Cette histoire de prêter de l'argent n'est pas bonne. Tu ne trouves pas? Non. Tu dois savoir auprès de qui tu veux prêter de l'argent. C'est 100% correct. Je n'apprêterai plus dans ma vie. Je les rejette au nom puissant de Jésus. Je les rejette. Il est venu embarrasser les gens. Alors, qu'est-ce qu'on dit à cette bonne nouvelle? More with babes. Toujours en avant. Jamais en arrière. Écoutez, mes chéris. Maintenant que nous avons célébré les nouveaux business, j'ai quelque chose à vous dire, les filles. Qu'est-ce que c'est? Je veux que vous deviniez, les filles. Allez deviner. Deviner quoi? Est-ce que tu attends un autre contrat? Non. Dis-nous. Ok. C'est quoi? Allez. Si vous le souhaitez, Prince Jamie m'a proposé. Et j'ai accepté sa proposition. Oh mon Dieu, c'est chouette. C'est la meilleure nouvelle de ce moment. Oui, tu peux le dire.
Bébé, c'est vraiment merci. Magnifique. Merci. Oh, on est très contente pour toi. Félicitations. Ma chérie, oh, je te remercie. On est très contente. Wow. Il a dit qu'il va m'emmener chez ses parents le week-end. Oh. J'espère qu'ils vont m'apprécier. Oh. Mm-hmm. Ah, ma chérie, pourquoi est-ce que tu dis ça? T'inquiète, tout va très bien se passer. Hein? Qui peut te refuser, dis-moi un peu. Tu peux encore le dire, ma chérie. Voyons, oublie ça, rien n'arrivera. Ah, ah oui, ah oui, c'est ça. Ouais. Je vous dis, les filles. Oh, laisse que la fête continue. Ah, son bébé, ça mérite une célébration, bien, ça. S'il te plaît. Ah oui. Oui. Ah oui. Ah, oui, ma chérie, porte-toi un toast. Allez, porte-toi un toast. Allez, viens, bon, viens. Vas-y. Pour notre joie. Bonheur. Pour une bonne amitié. Eh, ma jambe, oh. Ma jambe, oh. Aïe, cette douleur. Non, non, que Dieu m'en épargne. Doucement, maman, fais un effort, en avant. Doucement, s'il te plaît, doucement. 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 Oh, doucement. Oh, mon ami. Désolé, désolé. S'il te plaît, désolé. Doucement, doucement, doucement. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu merci, tu es là. S'il te plaît, aide-moi. Je ne veux pas que rien de mal arrive à ma femme, s'il te plaît. C'est quoi le problème? Itché, ma mère a été mordue par le serpent. Un serpent? Obi, et vous êtes encore ici? Prends cet argent. Va là-bas, va leur passer le message. Dis-leur que j'arrive. J'arrive. Papa, mais nous devons partir avec toi. Je sais, mais cette femme doit d'abord aller à l'hôpital. Tu veux qu'elle meure? Oh, mon pied. Hein? Et pourquoi l'entraînez-vous ici jusque-là? Je n'ai pas l'argent. Mais c'est quoi ton problème? Aide-moi, je n'ai pas l'argent. C'est quoi ton problème? Tu n'as pas toujours d'argent, c'est ce que tu chantes jour et nuit. Et tu es un fauché? Hein? Est-ce que tu veux que ta femme meure? Non. Peu importe, ce n'est pas ça le problème. Je suis ton ami. Je vais emmener ta maman à l'hôpital. Et tu merci. Hein? Merci. Et à quoi servent les amis? Viens entrer. Faudrait qu'on aille vite, c'est la morsure d'un serpent. Hein. Oui, je sais. Je vais mourir. Oh. Doucement, maman, doucement, doucement. Oui, non, les dieux que je serve ne te permettra pas mourir. Non, les dieux que je serve ne te permettra pas mourir. Tu ne mourras pas, ma femme, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Mieux. Doucement, hein. Oui, tout ira mieux. Entre. Oui, vas-y, aide-la, 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 aide-la. Oui, calme-toi, je sais que tout ira mieux. Doucement. Oui, monte là-bas devant. Ok. Maintenant, entre, comme ça, on va partir. Permets-moi de continuer à prendre ça. J'aime ça. Vraiment? Oui, j'aime ça. C'est bien. Oui. Ma reine? Votre Majesté. Ce que tu avais demandé, t'essaiera de donner. Vraiment? Avant le prochain festival du Nouvel An. C'est ce que je voulais te dire. Votre Majesté, merci beaucoup. Rien n'est assez énorme pour toi. Oh, tu me rappelles juste des bons moments quand tu m'avais épousée. Oh oui, et c'est toujours pareil. Je continue à te voir comme cette très, très belle femme que je connais toujours. Merci, 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 je suis heureuse. Je le ferai pour toi. Merci. Je le ferai pour toi. Merci. C'est qui vient là? C'est qui ça? C'est notre précieuse fille. Oh, vraiment. Ma princesse. Regarde-la. Regarde-la. Tu es maintenant un grand bébé. Merci. Ma princesse. Oh mon Dieu. Tu avais dit que tu allais revenir dans pas longtemps, mais je ne savais pas que ça allait être aujourd'hui quand même. Waouh, tu sais que tu m'as vraiment surpris. Oh papa, tu as l'air beau. Oh bien, elle prend très très bien soin de moi. Ah, je vous crois. Tu es la bienvenue. Merci. Oui. Alors, comment s'est passé les études tout là-bas? On a fini nos examens et les résultats sont sortis. Vraiment? Alors, devinez quoi? Je suis graduée, maman. Sérieux? Oh mon Dieu! Félicitations, papa, félicitations. Je vais vous montrer mes résultats. Attendez, regardez, ça se trouve dans les téléphones. Vraiment? C'est vrai ce que tu dis? Oh, maintenant vous pouvez vérifier vos résultats sur le téléphone, c'est ça? Oui. Oh, c'est bien. Regarde. Nous sommes maintenant à l'ère du digital.
À notre époque, on avait l'habitude de le vérifier sur la valve. Oh oui. Merci, maman. On apprécie beaucoup. Oui, c'est bon, c'est bon. Que Dieu te bénisse. Merci. Merci, maman. Félicitations, félicitations, félicitations. Jamike et Izu sont sortis. Ok. Oui. Oui. Papa. Oh, tu as l'air jeune. Ah, que puis-je faire donc? Il faut que je prenne très bien soin d'elle. Bien sûr. C'est plutôt moi qui prends très très bien soin d'elle. Oh mon Dieu. Oui. Oh wow. Viens, trinquons, trinquons, trinquons pour ça. Nous pouvons aussi demander à ces gardes d'amener quelque chose à boire pour elle. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, Okosi. Je suis si content que ta femme réagit positivement face au traitement. Tu sais très rapidement. Okosi, si ce n'est pas toi, qui d'autre pourrait m'aider à trouver la solution au problème que j'avais? Je ne sais pas comment je peux apprécier de ce que tu as fait pour nous. Oh, je te remercie beaucoup. Ekekwe. Kosi. Écoute, je ne peux que faire ça pour toi qui es mon ami. Oui, c'est non, ça. Non. Je vais juste t'expliquer deux ou trois choses que tu n'as pas encore très bien compris. Écoute, Dieu ne quittera jamais du ciel pour venir sur cette terre et assister une personne. C'est l'un d'entre nous qui l'utilise pour aller assister l'un ou l'autre. Hein? Écoute, je fais ce que je fais, pas à cause de quoi que ce soit, mais plutôt à cause de cet amour immense que je porte pour ta famille. Moi et ma famille, nous sommes vraiment connectés à toi. En tout cas, je ne sais pas comment exprimer ma gratitude. Aussi, nous cherchons l'opportunité pour te payer en retour de ce que tu as fait pour nous. C'est bon, arrête un peu de dire ce que tu dis. Paye quoi en retour? Pour tous ces dons que tu as fait pour nous. Ne va pas là. Ne va pas là. Ne va pas là. Hein? Je fais ce que je fais à cause de l'amour. Hein? Et avant d'ailleurs que tu n'essayes de rembourser, je m'en vais. Prends bien soin d'elle. Ok, ok. Prends très bien soin d'elle. Bye. Oh, mon Dieu. Je n'ai jamais su qu'il est très gentil. C'est incroyable. Okosi, j'ai écouté tout ce que tu as dit. Ton intention est très bonne envers ma famille. Mais les problèmes se posent à ce niveau. Ma fille doit prendre une décision finale si elle doit t'épouser ou pas. Et non moi, non plus ma femme. Le mariage doit se faire entre toi et elle. Et non entre toi et moi et ma femme. C'est là où réside encore le problème. Bien, j'étais entendu. Ekekwe, mon cher ami. J'étais entendu. Elle est encore ta fille. Bien sûr. Elle est sous ta responsabilité. Hein? Et tu peux toujours faire qu'elle fasse ce que toi tu veux. Non. Pas un problème comme celui-ci. Mariage. Non, pas les mariages. On ne force pas. Ah, Okosisi. Je crois qu'il y a un besoin. Que nous voulions vraiment parler sur Amaka. C'est ça, non? Ekekwe? J'étais entendu. Tu as très bien parlé. Mais je sais aussi que c'est pour moi le bon moment de savoir si tu apprécies tout ce que je peux faire pour toi et ta famille. Hein? Et mais à cause de... Okosisi là-bas. C'est juste que j'étais en train de semer un grain. J'étais toujours là. Lors par exemple de la du serpent. Oh Okosisi, il faut ceci, il faut cela. Voilà, j'avais tout fait et je le faisais parce que je savais que un jour j'allais faire partie tôt ou tard de cette famille. Bien sûr. C'est aussi pour moi le bon moment de savoir si je suis réellement aimé dans cette famille. C'est bon, mais avant que je m'en aille, attends que je te donne un peu d'argent. Cet argent, c'est pour... Hey! Ah! Est-ce que tu n'es plus un Ibo? Hein? Je ne l'ai fait que par bonne foi. Hein? Et tu es toujours mon ami. Hein? Et je ne dois que le faire.
Comment c'est assez éprouvant que je suis venu ici pour parler de quelque chose qui m'est aussi important. Hein? Oui, excepté si tu veux me dire que tu as commencé à rejeter de l'argent venant de chez moi. Bah non, je ne peux pas le faire, oh. Dieu m'entend parler. Mais tu sais, donne ça à ta fille. Hein? Les femmes ont toujours beaucoup de choses à faire avec de l'argent. Hein? Acheter des habits, d'autres articles. Et maintenant que je suis particulièrement venu prendre sa main en mariage, elle doit paraître plus brillante et plus belle. Hein? Donne-lui ça. Ok. Comme je continue à le dire, je resterai consulter ma fille et nous en parlerons. Mm-hmm. Après notre causerie, je t'atteindrai, s'il te plaît, vite que possible. Mon cher, on peut partir? Je m'en vais. Papa? Oui? Comment te sens-tu quand tu me dis ça? Comment, papa? Il n'a pas honte de venir ici pour demander ma main en mariage? Il n'a pas honte? Ça, c'est quoi ça? Ma fille, tu n'as aucune décision à prendre jusque-là. Moi, ton père, j'ai pris la décision. Peu importe ce qu'elle est une loi. Tu dois l'épouser. Papa, désolé. Je ne ferai pas ce que tu me dis. Comment peux-tu me demander d'épouser un homme qui est plus âgé que toi? Obi, son enfant est plus âgé que moi. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Ma fille, calme-toi. Non. Elle a tout dit. Comment peut-elle épouser un homme de ton âge? Elle a le droit de décider avec qui elle veut se marier. D'ailleurs, cet homme de qui l'on parle, il a trop d'histoires dans ce village. Que ses voix ne sont pas des rues. Il est lui. Ses voix ne sont pas des rues. Alors nous devons y penser et très bien enquêter avant que tu ne commences à considérer cette idée d'épouser ta fille. Ma chère, si tu avais prêté l'oreille aux rumeurs, tu ne devrais pas m'épouser. Chacun fait son choix. Ichioko aussi a payé l'argent que je devais à Ichiokoro. Premier point. Deuxième point. Quand le serpent t'avait mordu, il t'avait amené à l'hôpital et il avait payé toutes les factures. Troisième point. C'est véhicule qui est ici que nous utilisons pour trouver de l'argent. C'est lui qui nous avait apporté. Quatrième point. Il m'a donné cet argent uniquement pour toi. C'est pour tes besoins personnels, pas les miens. S'il te plaît, considère-les. Donc, papa, tu t'es déjà réuni avec lui pour me vendre. Même si je mourrais, ça ne m'arrivera jamais. Je ne le ferai pas. Attends un peu. Donc, si Ichioko s'y fait tout ça, c'est avec raison. As-tu oublié que je tiens à finir d'abord mes études universitaires? Il y a une chose que je ferai. Et s'il faisait tout ça juste pour m'épouser, mieux vaut lui rendre ses biens. Remets-lui ses affaires. Remets-lui son argent. Remets-lui sa machine. Fais sortir toutes ces choses. Amène ça dehors, papa. C'est quoi ça? Maman, viens, on va faire sortir cette machine dehors. Où est la machine? Papa, papa, viens prendre cette machine. Oh. Papa, viens, on va la lui rendre. Papa, viens, on va la lui rendre. Papa, rends-lui sa machine. À quoi avais-tu pensé? Tu veux me vendre comme une marchandise? Regarde dans sa poche, il y a de l'argent. Ma décision est que tu dois l'épouser. Je ne le ferai pas! Tu dois l'épouser, sinon cette maison ne nous conviendra pas. Ça ne va pas nous suffire, papa. Ça ne va pas nous suffire. Tue-moi! Tue-moi ou fais de moi tout ce que tu veux parce que moi, je ne veux pas l'épouser. Là, il faut que je meure. Je ne vais jamais l'épouser, cet homme. Mes salutations, votre majesté. Tu es la bienvenue, jeune dame. Papa, laisse-moi la présenter. Oui, mon prince. Permettez-moi de vous présenter ma fiancée. C'est bon, d'accord. Fleur. D'accord. Ogoma, s'il te plaît. Lui, c'est mon père. Avec votre permission, Igwe, je vous présente la future reine de ce royaume. Votre majesté, ravie de vous voir. Tu es la bienvenue. Merci. Vous pouvez vous mettre. Merci beaucoup, papa.
Tu es la bienvenue. Merci, monsieur. Mon fils nous a longtemps parlé à ton sujet. Moi particulièrement, et la reine. Et d'ailleurs, la reine est allée hors de la ville. Elle est allée voir sa sœur au village voisin. Elle est allée rendre une visite royale à sa sœur. Lorsqu'elle va revenir, tu seras également présenté auprès d'elle. Merci, votre majesté. C'est bon. Alors, es-tu au courant qu'il y a deux règles qu'il faut observer et deux ordres à surpasser avant que tu ne deviennes l'épouse à mon fils? Mon roi, je ne comprends pas. Jamiké est le prince, ça tu le sais. Avant que tu ne t'es marié à lui, il y a des traditions et coutumes qui doivent être observées. Les comprends-tu maintenant? Oui, mais votre majesté, c'est vraiment quoi? Oh bien, en parlant d'ailleurs, est-ce que tu aimes vraiment mon fils? Oui, votre majesté, je l'aime de tout mon cœur. Dans ces cas, je dois directement passer à t'expliquer ses coutumes. Tu dois être sous le tutorat de ma femme, la reine, pendant 10 semaines. C'est après cette période de tutorat que si elle confirmait que tu es assez bonne, alors c'est en ce moment-là même que mon fils pourra procéder avec tout le droit coutumier pour votre mariage. Votre majesté, je ne veux pas être curieuse, mais je veux juste le savoir maintenant. Oh bien, je ne pense pas que si tu le savais depuis longtemps, tu serais qualifié pour être présenté aujourd'hui devant moi. C'est une tradition de notre royaume qui date de depuis longtemps. Alors tu n'as qu'à t'y mettre et passer ce défi. Est-ce que tu es prête pour ce défi? Oui. Oui? Je te souhaite bonne chance. On en reparlera. D'accord? Papa, désolé, permettez-moi de parler un peu à ma fiancée. Oui, vas-y. Pourquoi es-tu en train de courir? Qu'est-ce qui ne va pas? Comme si tu as perdu ton chemin. Mon père est sur le point de prendre une troisième femme. Alors je cours pour aller voir Otiako, le tireur de vin. Pour qu'il garde des réservations pour mon père le week-end. Mais pourquoi ton père a-t-il besoin d'une troisième femme? La question doit être, qui il veut prendre comme une troisième femme? Dois-je te le dire? Oui, je t'écoute. Amaka, la fille des Ukwege a été d'accord d'être la femme de mon père. Quoi? Ce n'est pas vrai. C'est impossible. Mais la nouvelle est dissipée partout dans ces villages. C'est incroyable. Comment est-ce possible? Ne t'inquiète pas. Hein? Le week-end, tu vas y croire. Je dois partir. N'importe quoi. Je dois confirmer chez maman Amaka si cette information est vraie. Chérie, je suis vraiment désolé de ne t'avoir pas dit cela plus tôt. Parce que les conséquences de nos traditions vont s'abattre sur moi. Je comprends. Ce n'est pas de ta faute. Mais mon amour, tu dois faire ça pour nous. Pour protéger notre amour. Puisque c'est la seule chose qui va nous permettre de nous marier. Bébé, je ne me vois pas rester pendant 2 semaines avec ta maman.
Honnêtement, je trouve ça vraiment difficile. Je sais. Je sais que ça sera très difficile pour toi de faire. Mais tu dois le faire. Pour l'amour que nous partageons. D'accord? Je ne sais quoi dire. Mais j'ai besoin de rentrer en ville. Je dois faire quelque chose. S'il te plaît, permets-moi. Oui, c'est vrai. Tu dois retourner à la cité. Mais avant cela, tu dois d'abord calmer tes nerfs. Oh. D'accord? Viens. Assieds-toi. Assieds-toi. Amaka. Amaka. Amaka, qu'est-ce que j'apprends? C'est quoi cette histoire que j'apprends? Qu'est-ce que tu écoutais? Que tu te maries. Moi. Moi, Amaka. Avec qui, non? Hein? J'avais dit que je devais finir mes études universitaires. D'où sort tout ça? Viens. Obi m'a dit que tu te maries au père de Obi Sisi. Et je l'ai vu courir pour aller l'informer à Mazé Okaka, le faiseur de vin de palme, pour une réservation le week-end. Moi, épouser Ichi Okosisi. Comment peux-tu accepter ça? Cet homme est trop âgé que mon père. Obi, sa fille, n'est pas de mon âge. Mais toi, tu avais écrit ça, non? Pourquoi tu fais encore tes mains comme ça? Tu avais écrit en ça. Non. Pardon, j'ai pas assez d'efforts sur ça. Amaka. Quoi? Écoute, tu dois faire très attention. J'ai appris que le chief Okosisi n'abandonne pas d'obtenir ce que son cœur désire. S'il te plaît, tu sais, tu es mon ami. Hein? Je t'aime beaucoup. Merci beaucoup. Mais même si Ichie faisait des fétiches, il ne va pas arrêter le monde. Et ça ne serait jamais moi. Fais attention, oh. Mais chérie, ça c'est la situation dans laquelle je me retrouve, ça me rend malade. C'est sérieux, oh. Donc tu étais sous surveillance de sa mère, la reine, pendant 10 semaines? Oui, mais Ugoma, je vais dire, est-ce que tu essayais de voir un peu de signes pendant toute la période que vous étiez ensemble? Je ne sais pas, mes chéris. Écoutez, je n'ai pas besoin de questions. Tout ce que je veux maintenant, c'est la solution. Mais pour ça, tu ne peux pas te tuer. Oui. Et si tu ne peux pas répondre aux critères de leurs conditions, des coutumes et traditions? Alors arrête la relation et laisse le prince de Mickey vivre. C'est ça le problème. J'ai commencé à l'aimer. Je l'aime vraiment. Je ne peux pas l'enlever comme ça dans ma tête. Ah, alors tu dois le faire, à cause de l'amour que vous partagez. J'ai peur. Peur de quoi? Bébé, écoutez, le problème c'est que vous ne me comprenez pas. Je peur de perdre mon travail. Cette relation est tout pourquoi je travaillais. Et je perds à cause de l'amour de Jamike. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Ok. Chérie, calme-toi. D'accord? Relax. Écoute, ton bonheur est la priorité. J'ai juste besoin que tu suives ton cœur et faire ce qui te rendra heureuse. Je sais qu'avec le temps, tout ira bien, s'il te plaît. Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi, ok? Tout ira bien. Ok. Et qu'est-ce que je ferai sans vous, les filles? C'est pour ça que les amis sont faits. Calme-toi. Et Kekwe? Merci pour le noix de cola. C'est rien, je t'en prie. Je suis venu découvrir tout ce qui a pu ressortir de la conversation avec ta fille. Okosi, j'ai peur de le dire, mais je n'ai pas le choix. La causerie n'a aucun résultat positif. J'ai fait tout ce que je pouvais. Tu as dit? Ce qu'il essaye de dire est que ma fille veut poursuivre ses études universitaires cette année. Cela veut dire que l'histoire des mariages ne l'intéresse pas. Hé, hey, arrête-moi un peu ça. Change-moi de sujet. Dis quelque chose d'autre. Que penses-tu que je suis? Un petit garçon? Arrête un peu de me dire tout ça, je ne veux pas de ça.
Penses-tu que je peux accepter ce que tu dis? Amak avait allé à l'université. Pouvez-vous l'envoyer à l'université? Toi, ta femme, et toute votre lignée, si on vous mettait tous ensemble, est-ce que vous pouvez envoyer cette fille à l'université? Pouvez-vous? Je sais que vous n'avez aucune ressource. Mais peu importe. Si Amaka veut aller à l'université, je vais l'envoyer. Je la prendrai en charge, quoi que soit le niveau qu'elle veut, académiquement. Et même si elle veut aller à l'étranger, je l'enverrai là-bas. Ochieme, ou je ne sais comment tu t'appelles. J'ai entendu ta conversation avec mes parents. Permets-moi d'être claire avec toi pour que tu comprennes. Peu importe ce que tu vas faire, je ne vais jamais t'épouser. Même si tu disais que tu vas m'envoyer dans la meilleure université du monde. Moi, Amaka, je ne veux pas t'épouser. Amaka. Tu sais, tu es une très belle dame qui est bien au-delà de toutes ces femmes. Hein? Écoute. Je veux faire bien plus que ça. Tu sais, t'envoyer à l'université n'est qu'une partie de la glace de mer. Si tu te confies à moi, j'utiliserai de l'argent pour te gâter. Je t'achèterai 2 voitures, une seule fois directement. Tu parqueras l'une ici et l'autre dans ta maison. Je te construirai une maison. On enlèvera cette chose et on construira une très très belle maison pour toi. Es-tu sourd? Avec tout ton âge que tu as, tu veux reconstruire cette maison? Même si tu feras l'impossible pour moi, Maka, je ne t'épouserai jamais. Essaie de réfléchir. Je ne veux pas, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, vieux fou? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et d'ailleurs, je suis plus jeune pour être ta fille. Obina a-t-elle mon âge? Pourquoi tu tiens à faire de moi ta 3e épouse? Pourquoi tu es si égoïste? Est-ce moi la meilleure? C'est quoi ton problème? Laisse-moi tranquille, je te mets en garde. Ne m'épouse pas être... Et succombe! S'il faut que tu succombes, personne ne s'en fait. N'importe quoi. Et arrête de regarder mon père ainsi haut. Arrête de le regarder comme ça. Où vas-tu? Je te demande, Choco, Sissi. Maman, laisse-moi. Laisse-moi tranquille. Où penses-tu y aller? Viens, non? Oh, tu vas plus m'épouser? Viens m'épouser, non? Tu cherches une jeune fille à épouser. Viens, tu vas m'épouser. Comme ça, tu verras comment je vais te... Et tu vas voir comment je vais te couper ton zizi. Et je verrai si tu vas encore faire l'amour. Ça sera ta fin. Regarde. Mais viens m'épouser, non? Un vieux fou. Regarde comment il est. Viens m'épouser, non? Je te dis, viens m'épouser. Regarde la façon dont il est. Il fallait m'épouser. Tu vas plus m'épouser? C'est juste parce que je me réserve. Sinon, j'allais déjà faire tomber ton béret par terre. N'importe quoi. Sorcier. Il veut abîmer ma vie. Un vieux fou irresponsable. Passe encore cette ligne et tu verras ce que je vais te faire. N'ose pas mettre tes pieds chez nous. Toi. Papa. Toi, je ne l'ai pas beaucoup maltraité parce que toi, tu es le père que j'aime beaucoup. Sinon, j'allais lui dire des choses qui allaient la néantir. Si tu t'associes avec cet homme-là pour me vendre, tu seras la personne qui va l'épouser. Maman, maman, il fallait voir comment il a sauté pour mes compétences et tout le monde me regardait. Je viens de voir le résultat de mes examens, non? Maman, devine quoi? Mais parle, non? Tu es passé? Oui. Oh Dieu, je suis merveilleux. Maman. Oui. Oh mon Dieu, je passe à l'université, maman. Ta fille l'a fait. Je t'avais dit que je veux faire ta fierté. Je t'avais dit ça. Ton père sera si content d'entendre ceci.
T'inquiète pas, il n'y a que quelques minutes, il est allé visiter quelqu'un. Hey, tu es patiente que papa l'attend. Maman, tu devais voir. Tu devais voir la façon dont j'ai crié. Je criais, je dansais, je dansais, je dansais. Je suis fière de toi. Je suis fière de toi, ma fille. Merci, maman. Oui. Maman. Enfin. Maman, c'était mon rêve de devenir avocate. Et je t'ai dit, ça va se réaliser. Je veux le réaliser. J'ai confiance. Moi, je serai au barreau. Je vais défendre les gens. Oui, monsieur. Nous travaillons vraiment durement pour l'achever. Vous pouvez en être sûr. Oui, d'accord. D'accord, monsieur. Eh bien, bonne journée à vous. Bye. Ouais, on m'a dit que tu voulais me voir. Oui, monsieur, c'est la dame de l'institution financière. Elle a refusé de partir jusqu'à ce qu'elle vous voie. Je t'avais interdit de la faire entrer. Désolée, monsieur, mais elle insiste. Mais, monsieur, je suis désolée de demander. Je pensais que vous vous aimez tous les deux. Alors, pourquoi vous ne voulez pas la voir? Est-ce que ça ne va pas? Mais depuis quand mes décisions, ça te regarde? Je te donne des instructions et toi, tu viens me faire des interviews. Mais sors de mon bureau et va lui dire de partir. Ok, désolé, monsieur. Mazo Sissi, je suis désolé de t'avoir fait attendre. J'étais occupé quelque part avant de recevoir ton appel et directement je me suis mis en route pour ici. Au moins tu es là. Tu es là. J'espère que tout va bien. Bien, oui. Tout va bien. Ce n'est pas que... bien. Tu vois, Mazé... Et Kekwe. Je te fais venir ici pour que nous arrivions à réfléchir comme des hommes. Tu vois? J'ai déjà oublié tout ce qui s'est passé l'autre fois, hier. Oui, j'ai déjà tout oublié. Je l'ai même enlevé de ma tête. Tu vois? Mais tu sais... Je veux que tu saches que j'ai repris à nouveau d'aimer ta fille Amaka. Du plus profond de mon cœur. Tu vois? Et si tu peux convaincre Amaka de m'épouser, je la prendrai en charge jusqu'à ce qu'elle finisse l'université. Et même plus que ça. C'est vrai? Oui. si Amaka accepte de m'épouser et que je deviens ton beau-fils, ta famille va énormément bénéficier de moi. Énormément. Je te dis vrai. Je ne m'enorgueillis pas. Ichoko aussi. Ce que tu me demandes de faire, ce n'est pas assez facile. Je sais que ce n'est pas une tâche facile. Ah, qu'est-ce que tu crois? Je le sais. Et tu vois, c'est pourquoi... Et Kekwe? Tu vois, à partir de cet angle, jusque là en bas, jusqu'à cet arbre qui se trouve là, et que tu descends encore jusque là, au coin là-bas, et puis là-bas de l'autre côté, et que tu reviennes à cet angle, c'est ma terre. Elle m'appartient, chaque centimètre de celle-ci, mais je suis en train de te la donner pour te remercier, pour tout ce que tu feras pour moi. Ok, tu veux dire toute cette portion de terre, tu me donnes tout ça? Si tu ne me crois pas, attends d'abord, je vais te confirmer. Je te dis, Kekwe, tu n'as qu'à me croire. Prends.
C'est moi qui te les donne. C'est le beau-fils qui remet à son beau-père de l'argent et qui dit non, non, vas-y, prends. Vas-y, prends. Arrête de me faire tout ce que tu fais. Je sais que tu n'as plus rien dans ta poche. Vas-y, prends. Hein? Partage ça avec ta femme. Dis-lui que c'est pour la convaincre, de convaincre sa fille de m'épouser. Hmm? Mais s'il te plaît, Ekekwe, n'essaye pas de me décevoir. Je ne veux pas te décevoir. Je te considère déjà comme mon beau-fils, s'il te plaît. C'est ce que je peux te dire. Écoute, mon argent n'est pas encore fini. Non, si tu doutes, je te prouverai. Tu sais que j'ai beaucoup d'argent. Hmm? Ce n'est pas et ça ne pourra pas finir. D'où est-ce que cela vient? Il y a toute une ligne pour beaucoup plus. Pour toi et toute ta famille. Hey, tout ça pour toi. Je sais que tu es venu jusqu'ici à pied. Mm-hmm. Hmm? Oui. Mais tu vois, je vais t'accompagner jusqu'à la maison. Hmm? Et c'est comme ça que c'est supposé être. Et comme ça, tu commenceras à profiter de ma compagnie. Et particulièrement, lorsque nous irons en réunion avec l'aumônier, je commencerai à te raccompagner jusqu'à la maison. Viens, viens, nous allons partir. L'argent? Voici mon beau-père. Mon beau-père, tu vois? Je crois que de cette manière, les choses seront un peu plus simples. Hmm? Tu me fais beaucoup rire, maman. Je te l'avais dit. Oh, ne dis pas ça, ma princesse. C'est Lucie, si c'est mon frère. Frère, je pense. Oh. Comment tu vas, mon fils? Maman. Comment ça va? Bienvenue, mon fils. Oui. Tu es le bienvenu, mon frère. Comment ça va? Je vais bien. Ma reine, ma princesse, bonjour. Tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. Mon frère, qui est-elle? Qui est-elle? C'est mon ami. Très, très spécial, naturellement. Oh. Oui. Bienvenue, la plus spéciale. Merci, ma princesse. Encore une fois, sois la bienvenue. Chérie. Oui. C'est ma sœur. Ma seule sœur. La présence de ce royaume. Ah. Et ma mère, la reine, et bien sûr de ces merveilleux royaumes. Ma reine, ma princesse, je suis ravie de vous rencontrer. Tu es la bienvenue. Bienvenue. Merci. Pouvons-nous aller à l'intérieur? Très bien. Les dames d'abord. Madame, je vous ai dit qu'il n'est pas là. Si c'est mon patron que vous êtes en train de chercher, vous n'avez qu'à aller dans son bureau. Comme ça, vous allez le trouver. Écoute, s'il te plaît. C'est l'endroit où j'ai l'opportunité de le voir. Il ne me permet plus de venir dans son bureau pour le voir. Laisse-moi le voir juste pour une Madame. Fois. Madame, s'il vous plaît, arrêtez de venir ici chercher mon patron. Hein? Ou bien veux-tu que je perde mon boulot? Non. Pas jusqu'à ce point, s'il te plaît. Hey! Laisse-moi pour une fois. Je ne vais plus jamais te déranger. Hey! N'oublie pas que moi, j'ai toujours été avec toi, je te prie. Oh Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Madame, voulez-vous que je perde mon boulot? Mais madame, ne regardez d'ailleurs pas le portail. Mais madame, je ne veux aucun problème avec mon patron.
Madame, il y a d'ailleurs deux caméras dans cette maison qui, lorsque tu entres, elles vont te filmer. Aide-moi, non, s'il te plaît. Non, madame, il n'y a rien que je puisse faire, s'il vous plaît. Ça veut dire quoi? Madame, s'il vous plaît, arrêtez un peu ça. Madame, s'il vous plaît, passez par ici. Madame, s'il vous plaît, passez par ici. Madame, s'il vous plaît, par ici. Madame, madame, pardon. Madame, pardon, je vous en supplie, non? Hey! Qu'est-ce que tu fais là? Chérie, s'il te plaît, je suis navrée. Je t'ai pas interdit de remettre tes pieds dans cette maison? Je suis désolée, mon amour. Je ne sais en quoi j'étais offensée. Ce n'est pas la réponse à ma question. Je dis, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai pas interdit de remettre tes pieds ici? Je suis désolée, bébé. Et si je t'ai fait quelque chose de mal, je te prie, pardonne-moi. Chérie, ne brise pas tout ce qu'on a construit ensemble. Pardon. Je te prie, pardon. Ça, c'était un exploit sur le plan financier et consort. Je veux dire, à qui grâce à toi et ta compétence et ta manière d'agir? Oh, merci beaucoup. Et je n'étais qu'en train de faire mon travail. Ben. Tu n'es pas justement compétente et intelligente. Tu es aussi belle. Merci pour les compliments. Merci. Bon, que penses-tu d'avoir un dîner ensemble, juste pour mieux nous connaître? Ok. Et si je peux demander, êtes-vous marié ou célibataire? Ben, célibataire, ça dérange. Pourquoi cette question? Je veux juste savoir, pas plus. Je sais que tu te dis que je peux être une femme et je veux te faire une deuxième femme. Si vous saviez ce que j'ai insinué. Ouais, ce n'est pas du tout important. Et à propos de toi, tu es célibataire? Oui, j'ai vu seul. Waouh, on a un truc en commun cette fois. Je pense que ça ne serait pas une mauvaise idée si on allait prendre un dîner ensemble. Hein, ce soir? Les dîners, ce n'est pas du tout une mauvaise idée en tout cas. Mal. Bon, puis-je prendre ton numéro juste pour... Je pourrais te contacter. Honnêtement, je suis surpris. Pourquoi? Je n'arrive pas à croire une fille plante des carrières comme toi pour aussi préparer ces délicieux repas. C'est très dur à préparer. Hein. C'est drôle, n'est-ce pas? Évidemment, ouais. C'est ça que j'appelle la nourriture. C'est tout parfait. Merci. Sincèrement, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas mangé de bonnes nourritures. Et je l'ai mangé grâce à toi. Oh, c'est plutôt moi qui te remercie. Je suis heureuse que tu apprécies la nourriture. J'apprécie. Bon, allons-y à l'intérieur. Je vais exprimer à quel point je ne l'aimerais pas. Et pourquoi pas ici? Non, à l'intérieur. On va quitter là-bas et on va revenir. Viens là! Boum! Ouais! Chérie, je t'ai pris les médocs à la pharmacie, chérie. Laisse-moi te les mettre. Ok? Ok. Merci d'être venue. Il n'y a pas de souci. Lisa, donne-moi de l'eau, s'il te plaît. D'accord. Donne-moi de l'eau, s'il te plaît. Lève-toi un peu. Tout doucement. Un instant, j'arrive. Bien sûr que tu me manques aussi. Oui, c'est vrai. Je t'aime aussi et tu le sais. Non, je suis chez mon frère. Oui, je te verrai le soir. Bien sûr que oui, à ce soir. Arrête.
Oh, chérie, tu es déjà de retour. Est-ce que tu es consciente? Moi? Non. Ton esprit, je veux dire. C'est ça ce que tu fais, hein? Non. Ce n'est pas ce que tu penses. Oui, je sais, c'est pas ce que je pense. Ah, tu l'aimes. Tu peux aller lui voir, il te manque, tu le manques, tu l'aimes, il t'aime. Mais c'est ça que tu fais! Non, c'est pas vrai. Arrête, j'ai tout entendu. Tu as eu la possibilité de lui dire ta location. Non, mon amour, ce n'est pas ce que tu penses. Laisse-moi te dire la vérité. Je sais que tu peux t'expliquer. Tu es dans la maison de ton frère. Il te manque et tu l'appelles ce soir pour que vous vous voyez. C'est ça. C'est ce que tu voulais me dire. Je t'ai entendu. C'est ce que tu fais, hein? Non, ce n'est pas ça. Laisse-moi t'expliquer. Bien, d'accord, explique. Explique-le pour toi, je t'écoute. Non, ce n'est pas un mec, c'est une amie. Tu es lesbienne? Non, non, mon amour. Oui, bien avant. Nous sommes déjà séparés. J'essaie de m'expliquer, mais elle ne veut pas. Elle oh, mon Dieu. Tu es un démon. Tu sors de ma maison maintenant. Laisse-moi dégager de ma maison. Tu es malade? Tu es folle? Non, non, je tu es malade? Non, s'il te plaît. Mon amour, s'il te plaît, ne te fâche pas. Je suis désolée, non? Je te prie, pardon. Excuse-moi. Pardonne-moi. Je te prie, pardon. Donne-moi juste l'opportunité de m'expliquer moi-même. Il n'y a aucune opportunité pour toi de t'expliquer. Maintenant, hein? Écoute. Tout ce que je ressentais pour toi a disparu. Tout a disparu le même jour que j'avais su que tu es lesbienne. Oui. Parce que je vis qu'avec une abomination. Maintenant, quitte ma maison. Mais je ne le fais plus. Je l'ai déjà arrêté. Écoute, si je vois cette fille dans quelques minutes ici, tu seras renvoyée. Madame, s'il vous plaît, sortez. Voulez-vous que je perde mon boulot? Sortez, s'il vous plaît, sortez. Chérie, s'il vous plaît, allez-vous-en. Chérie, ne me fais pas ça. Il ne veut pas vous voir. Allez-vous-en, s'il vous plaît. Chérie, s'il te plaît. Chérie, écoute-moi, non. Chérie, permets-moi de t'expliquer. Chérie. Mon chéri. Chérie. Hé, hey, madame, vous allez où? Chérie. Pas ici. On n'entre pas ici. Pas ici, oh. Vous n'entrez pas. Non. Arrête, partez, madame. Partez, s'il vous plaît. Non, c'est pas possible. Non, baby. Bien, papa. Elle est maintenant de retour et dans 10 semaines, elle va observer la tradition. Jeune dame, est-ce que c'est vrai? Oui, votre majesté. C'est bon d'entendre ça. Princesse. Papa. Tu l'as entendu? Tu vas l'emmener dans ta chambre et après tu informeras la reine qu'elle est là. Ma chambre? Papa, pourquoi pas la chambre des visiteurs? Oh, pourquoi pas ma chambre? Au lieu de la garder dans une chambre que les hommes ne peuvent pas entrer. Princesse? Papa? Mes instructions étaient qu'elle va rester temporairement dans ta chambre. Jusqu'à ce que tu informeras la reine. Qui viendra s'occuper d'elle donc? Ok. Jamike? Sinon, ce sont les règles de la reine qui doivent être obéies dans cette affaire, pas les tiennes. Est-ce que c'est compris? Jeune dame, une fois encore, bonne chance. Merci. Ça sera tout pour l'instant. Oh, viens avec moi. Mon fils, écoute-moi. Tu ne pourrais peut-être pas comprendre. Mais cette vieille tradition est pour le bien. C'est la meilleure manière d'établir et pour confirmer que la fille que tu comptes épouser est assez bonne. Les femmes sont très déceptives. Tu ne le sauras jamais tant que tu seras un jeune homme qui est amoureux. Jusqu'à ce que tu te laisses emporter. Mais pendant qu'elle passera toutes ces 10 semaines, sous le tutorat de la reine, femme à femme, elle sera capable de découvrir toutes choses.
dont tu auras besoin pour construire une maison de bonheur. Est-ce clair pour toi, mon fils? Ne t'inquiète pas, tout ira mieux. Ça sera tout pour l'instant, fils. Oui? Pourquoi tu es allé prêter autant d'argent auprès de Ichioko Sissi? Mais non, attends. C'est du mariage de ta fille que tu t'empresses comme ça? Non, mais j'ai ma raison. Si notre fille décide de l'épouser, notre mode de vie changera dans cette communauté en bien. Papa? Oui? Je l'ai dit avant et je n'arrêterai pas de le dire. Arrête de recevoir les cadeaux de cet homme parce que je ne l'épouserai jamais. Même si je suis à l'agonie, je dois mourir. Je m'en fous de savoir quelles sont ses intentions pour moi. Et je m'en fous encore. Peu importe ce que ma famille va bénéficier de lui. Je n'accepterai jamais, jamais que tu me vendes chez cet homme-là. Je ne l'accepterai jamais, papa. Je te dis maintenant. Je t'en supplie. Pourquoi ne peux-tu pas fermer ta bouche et écouter, ensuite suivre d'abord ce que je fais? Si uniquement tu acceptes de l'épouser, il y aura un changement de notre moyen financier en bien. Nani. Oui? J'ai honte de toi. Tu vois ma fille, tu ne vas pas changer sa décision. Tout ce que tu prends de lui est ton problème. Et cela ne peut affecter la vie de ma fille. Ma chérie, allons à la chambre. Oh, où est-ce que vous allez comme ça? Non, je ne sais pas, mais tu sais, ce sujet a pris fin. C'est ça ton éducation? Appelle ça comme tu veux. Oh, je vois. Papa. Papa. Arrête. Je t'en supplie. Arrête de prendre des cadeaux de cet homme. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Mais si tu continues de recevoir des cadeaux de cet homme, ça ne concerne que toi. Oh, tu es là. Je te cherchais depuis longtemps. Mon prince, je suis là. Mais pourquoi tu es essoufflé? Mon cher, je suis juste fatiguée. Je fais tout le ménage. Je dois laver tous ces palais. Honnêtement, je suis fatiguée. Je sais que ça sera une tâche très compliquée pour toi. Mais comme tu l'as fait déjà, s'il te plaît, sois forte. D'accord? Oui, je le ferai. Je ne sais pas si tu as besoin de quelque chose. Ça pourrait être... Maman. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais juste vérifier quelque chose. C'est tout. Mon frère, je crois que tu as été interpellé plusieurs fois à ne pas t'approcher d'elle. Surtout quand on est en train de travailler. Maman, tu sais qu'elle est mon amie. Oui, tu la traites comme une esclave. Pourquoi? Et qu'est-ce que cela est supposé être? Je me demande. Je dis, elle est mon amie. Pourquoi tu la traites comme une esclave? Selon les coutumes et traditions de ce royaume, elle est sous évaluation. Et à cause de cette raison, tu n'as pas le droit de venir lui rendre visite, peu importe. Maman. Tu étais instruit, n'est-ce pas? Je sais. Mais elle est mon amie. Je ne peux pas regarder comment tu l'as mis dans cette condition. Mon prince, ne t'inquiète pas, je vais tout faire. Ferme ta bouche. Et tu as même le courage. Maintenant, quitte cet endroit. Éloigne-toi de cet endroit. Et toi, sois sûr que tu fais ce qu'on t'a demandé de faire. Est-ce que je suis bien claire? Oui, ma reine.
Je n'ai plus eu de tes nouvelles depuis. Oui, Okosi. À vrai dire, je suis vraiment occupé avec le travail de mon champ. Oh, vraiment? Bien. C'est pourquoi je me suis décidé de descendre sur le lieu moi-même pour découvrir comment est-ce que tu as pu voler avec ce qu'on s'était convenu. Ok. Mon cher ami Okosisi, j'ai essayé tout ce que je pouvais à convaincre ma fille de t'épouser, mais elle a carrément refusé. Bien, je suis vraiment désolé. Ça, c'est tout ce que tu me donnais comme argent. Prends-le, s'il te plaît. Tu m'as totalement déçu. Lorsque je t'avais remis cet argent, tu m'avais promis de ne pas me faucher. Mais tu m'as fauché. Oui, je l'ai fait. Mais ma fille a totalement refusé à t'épouser. Qu'est-ce que je vais faire? S'il te plaît, prends ton argent, Okosi. Garde-le. À partir de cet instant que je l'avais sorti de ma poche et que je te l'avais donné, je l'avais déjà oublié. Je n'ai pas besoin de ça. Uche, nous n'en voulons pas non plus. Ekekwe, toi et toute ta famille, vous m'avez encore insulté. S'il te plaît, Okosi, essaye de comprendre. Ma chérie, j'ai remarqué que aucun de ces princes est intéressé à nous. Hey, j'ai essayé à plusieurs reprises pour attirer leur attention, mais rien ne va. Vous les filles, laissez-les tranquilles. Il n'y a rien qui se passera entre nous. Sérieusement, nous sommes des travailleurs. Je pense que tu as raison. Peut-être que c'est parce que nous sommes juste des servantes du palais. Et ils pensent qu'il n'y a rien de bon en nous. Écoutez, laissez-moi vous dire, les filles. Je ne me condamne pas d'avoir essayé. Oui, parce que je sais, la plupart des filles qui viennent ici, dans ces palais, voir leurs parents, ne sont pas plus belles que nous. Vous ne voyez pas? Ne sommes-nous pas belles? Dites-moi, ne sommes pas belles? Tu n'as pas vu la fille que le prince Mickey a amenée? Cette femme est tellement fainéante. Voyons comment elle va survivre dans 10 semaines. Comme ils ont toujours dit, un jour, hey, ça sera les nôtres. Tcha-tcha. Toutes les filles aiment épouser le prince. Nous sommes tous dans ces palais. Veuillons voir comment cela va se produire. Oui, oh. Je vais mourir ici. Pas de déménagement, pas de transfert. S'il vous plaît, faisons notre travail. Et elle est en train de se reposer. Lève-toi! Ah, ma princesse. Qu'est-ce qui est bon cette journée? Hein? Donc tu es là pour dormir. C'est ce que tu es venu faire dans ces palais? Dormir? Ma princesse. Non. Seulement que je ne me sens pas bien. Je crois que j'ai la fièvre. Ferme ta sale bouche! Regarde-moi bien. Tu peux corrompre tout le monde dans ces palais. Tu ne peux pas me corrompre avec toutes tes esquisses. Tu le sais bien. Ma princesse, avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas une paresseuse. Je t'avais dit auparavant que je ne suis pas forte. Ferme-la! N'essaye pas de parler quand je suis en train de parler. Ma princesse, tu m'as frappée. Et je vais le faire, je le ferai, je vais le faire encore et tu ne feras rien, je te dis. Et maintenant, je veux que tu déposes ta faiblesse là
et que tu fasses tout ce qu'on te demande ici. Ça, c'est une famille royale. Et je suis la seule qui est là et qui restera. Fais ton travail maintenant. Torchonne la maison. D'accord, c'est bon. C'est bon. Je le ferai. Tu n'as pas à me répondre. Regarde partout ici. C'est sale et toi en train de dormir. Je ne sais même pas où est-ce que mon frère t'a ramassé. Oui, fais-le. Papa, bienvenue. Papa, qu'est-ce que tu as acheté pour moi? Je n'ai rien acheté du tout. Non. Mais papa, tu m'avais dit que tu vas m'apporter du pain pour que je le prenne avec du thé. Et si je n'ai pas acheté le pain, est-ce que le sel tombera ici-bas? C'est ça? Ah! Non. Est-ce que ça va? Pourquoi tu cries sur notre fille comme ça? Et toi? Ne me pose pas de questions stupides. C'est où ma nourriture? Papa, ne te dérange pas, ta nourriture sera bientôt prête. Et toi? Pourquoi es-tu habillée comme ça? Papa, où vas-tu? Je vais aller voir une amie. Tu vas aller voir ton amie? Oui, papa. Cette amie-là, est-ce une fille ou un garçon? Réponds-moi! Papa, c'est une petite fille. Une petite fille? Oui, papa. Va là-bas et va me mettre de l'eau que je prenne bain. Naï. Obi. Papa. Obi. Papa. Obi Ageli. Papa. N'essaye pas de faire des choses qui vont réduire le prix de ta dot. Naï, est-ce que ça va? Pourquoi parles-tu à notre fille comme ça? Hein? Tu n'es pas de bonne humeur. Qu'est-ce qui ne va pas? Vas-y, dis-moi un peu. Va là-bas. Va rester dans la maison. Va là-bas. Va me prendre ma nourriture. Oh, Chimo, c'est ton problème. Comment vais-je expliquer à mes amis que Amaka a refusé de m'épouser? Comment vais-je leur dire ça? Après la réunion du cabinet au palais du roi. Ils vont vraiment se moquer de moi. Je ne pourrai pas supporter cette honte. Oko Sissi, tu dois tout faire pour faire de Amaka ta femme. C'est où la nourriture? Où êtes-vous? Obi Ageli? Obi Ageli? Je pense que tu as aimé le petit déjeuner. C'était délicieux. T'es effectivement une bonne cuisinière. C'est vrai. Oh. Je fais juste des efforts, rien d'autre. Ah, c'est merveilleux. Je veux juste avouer que, tu sais, la manière dont tu établis tes journaux, c'est vraiment, vraiment génial. Merci beaucoup. J'apprécie. C'est très bien. Je t'aime pour la meilleure partie de mon cœur. Je t'aime aussi. Merci beaucoup, chérie. S'il te plaît, prends soin de toi, ok? Et toi aussi, ok? Je le ferai. Surtout, ne néglige rien. Bien sûr. D'accord, bye. Bye. À plus tard. À bientôt. Okay. Je t'aime. Je t'aime aussi. Ok. Nama. Je meurs. J'ai mes oh, arrête de dire telle chose. Tu ne mourras pas du tout, je te dis. D'accord. D'ailleurs, j'ai déjà envoyé un mec à la pharmacie pour t'acheter des médicaments. Tu ne vas pas mourir, d'accord?
Amaka? Ichi, bon après-midi. Ah, ah. Mais pourquoi as-tu cet air? C'est quoi le problème? Je sais que ton père est encore malade. Et mais est-ce qu'il est en train de s'améliorer? Non. Pas encore? Oh, pitié, oh, désolé. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu fais sur la route? Ma maman m'a envoyé de partir là-bas pour prendre le médicament pour lui. Quoi? Là-bas chez ce faux pharmacien? Mais chez cet escroc? Ah, mais c'est quoi le problème avec les gens de ce village? Hein? Et ce qui peut guérir ton père est très proche de ta maison. Tché. Pourquoi me regardes-tu comme ça? N'essaies-tu pas? Qu'est-ce que cela pourrait être? Mon père est en train de mourir. Je ne veux pas qu'il meure. Ils ne t'ont pas dit? On ne m'a rien dit. Aïe! Votre roi est un méchant. Ichi, s'il te plaît, c'est quoi? Va juste au carrefour d'Amuka. Tu verras le feuille de Jogo. Le feuille de Jogo? Oui, le feuille de Jogo. Lave-les, épile-les et donne-les à ton père de boire. Et dans moins de 2 heures déjà, ton père va s'éteindre sur ses propres pieds. Ichi, merci. Merci beaucoup, Ichi. Dépêche-toi. Merci, Ichi. Calme-toi. D'ailleurs, la voilà, elle est... Amaka, maman! Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Maman, j'ai amené ça. Je t'ai envoyé à la pharmacie. Ça, c'est quoi ça? Oui, maman, mais quand je partais chez les chimistes, j'ai rencontré Ichi Oshishishi. Il a dit que je prends ses feuilles pour les donner à papa. Tu as... Papa? Ouvre la bouche. Tu es sûr qu'il faut l'avaler? Hein? Ouais. Maman. Attends, Amaka, je n'aime pas comment ton père bouge. Va appeler l'un des anciens. Va appeler l'un des guérisseurs, s'il te plaît. Appelle quelqu'un. Naï, calme-toi, ça va aller. Ne t'en va pas, reste là. Ne t'en va pas. Oh, Kujike. Obumadumadu da toyuto. Hein? Ukagarudu, guak. Okosi. Que fais-tu donc? La voix de Dieu. Je veux que les deux meurent. Tu auras ce que tu veux. Mais tu dois savoir que leur sang innocent sera sur tes mains. Je suis prêt à porter, peu importe la conséquence. Je suis prêt. Ils doivent savoir qu'ils ne peuvent pas s'amuser avec moi. Okokodike! Maintenant, dis ce que tu fais. Ekekwe, Awugo, je veux que vous deux soyez morts. Mourez! Que cela soit fait d'après ses souhaits. Hey! Obvio! Ukubwanya uzoko wosim! Encore aussi, c'est fait.
C'est fait. Je peux le voir. C'est fait. Je peux le voir. Hey, Odeka le grand. Odeka le grand. Anemenamanolade. Le plus grand des grands d'Ibia. Keki tenchesinkaku nyakaeba. Asa et asa ici. Asa la asa ici. Je suis venu pour te remercier immédiatement. Mais je sais que c'est peu. J'irai à la maison, m'apprêter, et je vais revenir. Te remercier de la manière la plus particulière. Okosi. Mets-les là-bas. Okala madu okala mwa. Le grand dit bien. Je reviendrai. Odogu. Hey. Amaka. Papa. Amaka. Qu'est-ce que tes bras ont? Hein? Je sais pas. Maman. Maman. M'a demandé de venir t'appeler. Maman. Maman, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Oh, maman, ne me fais pas ça. Hey, maman. Papa. 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 Papa, lève-toi. Papa. Oh, c'est toi. Ah, Dieu merci. Dieu merci. Ah, Dieu merci, je t'ai vu. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cours-tu comme si... Okosisi, l'imaginable est arrivé. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'inimaginable qui est arrivé? Ce que j'ai vu de mes yeux. Va rapidement vers la maison des Kekou et tu verras de toi-même. Qu'est-ce qui s'est passé? As-tu peur de me dire qu'est-ce qui s'est passé? Amaka a tué ses parents. Et où? Oh, tu es choqué maintenant. Très bien. Maintenant, tu peux aller rapidement voir de toi-même. Ekweke et sa femme sont morts. Amaka doit nous dire ce qui leur est arrivé. Ogosi, va rapidement voir de toi-même. Moi, je vais rapidement voir Chi. S'il te plaît, vas-y. Attends alors que je parte voir de mes propres yeux. Mais vas-y déjà, tu restes encore là. Pas vrai, ce n'est pas vrai. Hey, Timo. Sois le bienvenu. Merci beaucoup, comment ça va? Je vais bien, tu m'as manqué. Allez, tu m'as aussi beaucoup manqué. Merci. Oui, je me rappelle, j'ai vu ton ami. Je me plains du fait qu'on ne peut pas se parler au téléphone. Mais pourquoi tu ne veux pas me voir? Pourquoi? La reine m'a interdit d'avoir un téléphone. Elle a dit que je n'ai pas encore le droit de parler. Quoi? Elle n'a pas raison de faire une telle chose. Mon prince, il fallait voir ta sœur, la princesse. Elle me traite comme un esclave. J'essaie d'ignorer tous ses excès, mais ça commence à me dépasser. Chisom. Tu sais quoi? Je vais me charger de ça. Fiston. Maman. Tu n'es pas supposé être avec elle. Permets-la de faire son travail. Maman, pourquoi est-ce que vous faites votre évaluation en confisquant les téléphones?
Chisom, qu'est-ce qui t'a donné l'audace d'oppresser ma fiancée dans la maison de mon père? Oh, Ugoma, donc tu as eu l'audace de me dénoncer chez mon propre fils? Tu as eu l'audace de nous dénoncer? La reine de ce royaume? Maman, tu vois maintenant ce que j'étais en train de te dire. Cette fille, c'est une sorcière. Sa mission dans ce palais est de mettre des troubles entre moi et mon frère. Mais ça ne va pas marcher. Arrête ça tout de suite. Arrête ça. Ugoma. Ugoma, ou peu importe comment on t'appelle. Tu as échoué. Et tu as dignement échoué. Ça ne peut pas marcher pour toi. Je vais rendre ce palais une affaire pour toi. Vas-y, frappe-moi. Maman, s'il te plaît, arrête. Je vous en prie. Ferme-moi ta bouche. Ferme ta bouche. Tu es devenu stupide. Je peux le voir. Tu es devenu stupide. S'il te plaît, éloignons-nous de cet endroit. Pas maintenant, maman. Toi, avec le temps, je vais en finir avec toi dans ce palais. Hmm? Tu regretteras d'avoir resté dans ce palais avec tes petites bottes. Chisom, arrête ça tout de suite. Arrête ça. Mon prince, je suis désolée, mais je ne peux plus continuer comme ça. Hey, tu ne peux pas abandonner maintenant. D'accord? Elles ne peuvent rien faire contre toi. Je te promets. J'en ai vraiment assez et je vais partir. Hey, tu ne peux pas abandonner maintenant. Et sache que je vais me charger de ça. Ok? Je vais parler à mon père maintenant. Tout de suite. Donne-moi quelques minutes. Je te reviens. Sa Majesté, je ne sais pas ce que Ugoma a dit à Djamike. Je ne le sais pas. Papa, cette fille est venue avec une grande mission chez mon frère Djamike. Le pire est qu'elle ne parle pas à maman depuis qu'elle est là. Quoi? J'aurais souhaité que tu sois là pour voir comment Djamike me criait dessus comme un chien. Papa, c'est vrai. Djamike a tonné sur toi? Est-ce que c'est possible? Princesse, va appeler Djamike. Va l'appeler maintenant. Oh, c'est bon, papa. S'il vous plaît. Il est là. Papa. Djamike, qu'est-ce qui t'a pris au juste? J'ai appris que tu parles maintenant à ta mère n'importe comment, la reine. Est-ce que c'est possible? Papa, je n'apprécie pas la manière dont Chisom et maman sont en train de traiter ma fiancée. Ça va trop loin. Ferme ta bouche. Et comment es-tu arrivé à savoir qu'elles sont cruelles envers elle? Parce qu'elle m'a raconté tout ce qu'elles sont en train de le faire. Oh, tu as cru en elle? Mais tu as refusé de croire à ta mère et à ta sœur. Oh, Djamike, je peux voir que cette fille a une mission dans cette maison. Mais elle ne va pas réussir. Bam. Elle ne va pas réussir. Papa. Écoute-moi, ne m'appelle pas s'il te plaît. Ne m'appelle pas. Cette fille est en ce moment même disqualifiée. Bam. Bien. Quoi? Tu ne peux pas te marier à elle. Papa, tu ne peux pas faire ça. Elle n'a que 12 heures. Juste 12 heures pour quitter ses palais. Sinon... Papa. Ne me dis absolument rien. Va la prêter maintenant même. 12 heures, c'est juste ce qui lui reste. N'importe quoi. Ichi Dike. Oui, Okosisi. Il y a un dicton qui dit que un ancien ne reste pas à la maison lorsqu'une chèvre donne naissance à une tortue. Tu as raison. Le signe des sages. Cet incident qui vient tout juste de se passer ne peut pas être couvert sous un tapis. En fait, et Kwakwa et sa femme mourir le même jour, c'est mystérieux. C'est vraiment mystérieux, en effet. Je suis vraiment surpris. Réellement, je ne comprends rien. Parce que bien avant, on n'a jamais connu ce genre de problème. Depuis l'histoire de ces royaumes. S'il faudrait voir du plus profond de cet incident, c'est vraiment clair que c'est Amaka qui a tué ses parents.
Et elle sera obligée d'expliquer devant même l'aumônier et à ces deux familles ce qui est arrivé à leurs enfants. Écoute, Ichie Dike, si jamais tu traites ces problèmes comme une simple blague, je serai le premier à t'accuser auprès du cabinet du roi. Et tu sais ce que cela signifie. Oko Sisi, je vais t'assurer que entre moi et les hommes du roi, nous ferons définitivement tout ce qui est de nos droits pour s'assurer que ce problème est réglé. Ça ne sera jamais couvert sous un tapis. Okoro, dis-nous ce qui s'était passé. Oui, vas-y, dis-nous. Dis-nous ce qui s'est passé. Bon, j'étais assis chez moi, je me reposais. Et Amaka était en train en courant et en pleurant. En me demandant de sauver son père était vraiment malade. Nous étions partis. Sous mes yeux même, je vis son père et sa mère morts. Tu les avais trouvés morts. Oui. Et pas malades. Morts, je dis. Ok. Ah ah. En examinant, je trouvais que Amaka a utilisé Ojubolive pour préparer un remède pour ses parents. Mes frères, ce n'est pas étrange que nous savons tous que Ojubolive ne donne pas la vie. Ça prouve que Amaka est responsable de la mort de ses parents. Écoutez, attendez que je vous dise. Je suis désolé et je regrette d'avoir rejoint ce wagon de ces louanges qui étaient collées à Amaka par toute cette communauté entière. Amaka est une bonne fille. Amaka salue toujours les anciens. Amaka est ceci. Elle ne suit pas de garçon. Et tout ça. Parce que je savais au fond de moi que Amaka était quoi? Une sorcière. Es-tu sérieux? Ah, ah. Tu me demandes d'ailleurs si je suis sérieux, pendant qu'on peut tous d'ailleurs le voir. Oh, tu ne sais même pas comment est-ce que le sorcier opère? Oh, tu ne sais pas? Attends, laisse-moi te le dire. Avant tout, ils te prennent, ils t'attirent envers eux. Ils peuvent hypnotiser toute une communauté entière par leur bon comportement, par tout de bon qui peut ressortir d'eux. Et tu vois tout ça? Et tu remarqueras toute une communauté en train de louer une personne. Alors lorsque tu fermeras tes yeux et que tu penseras que ce sont des humains, ce ne sont que des sorciers. Et c'est ce que Amaka fait avec ses parents. Il les a tués pour sa sorcellerie. Étonnant. C'est étonnant. La manière dont Ekekwe et sa femme sont morts juste comme ça. C'est mystérieux. C'est mauvais. De toute façon, définitivement Amaka doit payer pour les conséquences de son acte. Ça ne peut pas être inaperçu. Exactement. Exactement. Et ces problèmes ne doivent pas être couverts sous un tapis. Écoutez, je ne comprends pas ce que vous essayez de faire. S'il faut la tuer, tuons-la. S'il faut la lapider, lapidons-la. Mais elle doit savoir qu'elle doit payer les prix les plus suprêmes pour avoir tué. Elle doit payer pour ça. Et c'est toi qui dois te charger pour qu'elle paye de tout ça. Définitivement, c'est ce qui sera fait. Exactement. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? C'est exactement ce que c'est. Commence à la faire payer. Elle est une sorcière, une femme assassin. Attends-tu encore quelque chose? Mon cher, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Bien sûr. Mais essayez de faire quelque chose. Je ne supporte pas qu'elle reste dans cet état. Si c'était au moins moi, j'allais déjà la tuer. J'allais déjà la tuer. Qu'est-ce que nous cherchons encore à savoir? Ok. Je suis désolé pour tout ça. Je n'ai jamais voulu que les choses se passent ainsi. Je comprends. Ce n'est pas de ta faute. Tu vas me manquer. Tu vas aussi me manquer.
Je dois partir. Tes plans diaboliques n'ont pas pu marcher. Va-t'en. Hey. Soyez-en sûrs que cette fille ne mette plus ses bottes dans ses palais. Oui, vous m'avez écouté. Allez, vas-y. Chérie, vas-y doucement. Seul Dieu sait pourquoi c'est arrivé de cette façon. S'il te plaît, mon ami, hein, vas-y doucement. Ojoa. Je pose à Dieu des questions. Et j'ai pas de réponse. Je lui demande pourquoi ça doit être moi. Je demande si je fais du mal à une personne. Pourquoi ça doit être moi? Et tout le monde m'accuse d'avoir tué mes parents. Et est-ce que je suis responsable de leur mort? Par où même je veux commencer? Et pourquoi? Ojo, comment? Comment? Je n'ai même pas de frère. Et comment est-ce que je peux tuer les seules personnes que j'avais dans la vie? Comment? Reste calme, ça ira. Arrête de pleurer. Amaka? Papa Obi, bienvenue. Oui, merci, merci. Donc tu continues à pleurer? Ojo, excuse-nous. D'accord, papa. Amaka, pleurer ne va pas résoudre ses problèmes. Ça ne va pas le résoudre. Ma prière est que Dieu te donnera la fortitude pour porter cette perte irréparable. Tu sais, on ne va pas les enterrer. Je ne veux pas les enterrer. Je sais. C'est trop pour moi. Je sais. Je mal et suis fatiguée. Je ne peux pas les enterrer. C'est bon. C'est bon, je pleure pas. J'ai pas de force. C'est bon, c'est bon. Je suis fini. C'est bon, c'est bon. Je suis fini. Tu vois? Je sais que les gens sont en train de t'accuser d'être responsable de la mort de tes deux parents. Et si tu préfères pleurer au lieu de prendre de force, personne n'essaiera de te croire. Personne. Mais Amaka, tu vois, je te crois. Je te crois parce que je sais que tu ne peux même pas faire du mal à une mouche. Même pas celle qui est déjà morte. Hein? C'est bon. C'est bon. Ah. Ichi, à cet instant, je n'ai personne qui pourra me défendre. Car on ne me croit pas. S'il te plaît. Je voulais te supplier. Pour que tu m'aides. Amaka, je vais t'aider. Aide-moi comme tu le pourras. Je le ferai, je le ferai. Je vais t'aider. S'il te plaît. Oui, je vais t'aider. Je vais t'aider. En fait, tu vois, je suis le seul qui puisse t'aider. C'est pourquoi je te supplie. Ok. Tu vois, Amaka, c'est un donnant-donnant. Je vais t'aider et tu vas aussi m'aider. Hein? Je vais t'aider seulement à une seule condition. C'est quoi? Hey, maintenant tu parles. Amaka, je ne sais pas pourquoi est-ce que notre affaire d'amour, c'est juste que tu n'arrives pas à me comprendre. Hein? Tu vois, je veux que tu... je veux que tu... Que tu m'épouses. Amaka, accepte de m'épouser. Et tous tes problèmes seront finis. Hein? Permets-moi de payer ta dot. Ichi, on a parlé de ça. On a parlé de ça plusieurs fois. Je suis trop jeune pour être ta femme, c'est pas ça? Pourquoi tu me donnes une telle condition? Ce n'est pas juste, pardon, je t'en supplie. S'il te plaît, ne me traite pas comme ça. S'il te plaît, aide-moi, je sais à quoi tu vaux. Écoute, je ne sais pas si tu comprends le genre de problème dans lequel
dans lequel tu te retrouves. Ça peut te conduire à la mort, ça peut conduire à ce qu'on te bannisse. N'essayes-tu pas de comprendre? Et je suis le seul qui puisse t'aider. Et n'essaye pas d'oublier que je suis aussi membre du conseil du roi. Et j'ai de l'influence sur tous ces cabinets. Et je peux faire qu'ils fassent ce qu'ils ne veulent pas faire. Je peux faire en sorte qu'ils aillent de la raison en voyant que ce n'est pas toi la responsable de la mort de tes parents. Ne comprends-tu pas tout ça? Ichi, je suis désolée, je peux pas. S'il te plaît. Bien, je pensais que je pouvais venir et que tu essayes de réfléchir à ce sujet. Que tu essayes de réfléchir à nouveau, tu vois un peu, hein? Peu importe, je veux te demander. As-tu besoin d'un peu d'argent? Tu n'as pas besoin d'argent. Bien, tu auras besoin de l'argent parce que même si c'est décidé de t'envoyer en exil ou qu'on te bannisse de ces royaumes, tu auras toujours besoin de l'argent. Hein? Pour que tu ailles où tu veux aller. Mais comme tu as dit que tu n'as pas besoin d'argent, ok. Mais tu sais, je peux t'accorder du temps pour que tu réfléchisses. Essaye de réfléchir, réfléchis un tout petit peu. Et après, fais-le-moi savoir avant que ça ne devienne trop tard et que je sois en mesure de m'enfuir. Uche, Uche, s'il te plaît, ne pars pas. Amaka, épouse-moi. Uche, s'il te plaît. Uche, je t'en prie. Uche. Maman, c'est pas juste. Maman, c'est pas juste. Mes chéris, je regrette pourquoi je me suis laissé emballer dans cette histoire. La mère et la sœur de Jamika m'ont fait souffrir dans cette maison et elles m'ont mis à la porte. Je crois que c'est assez dit. Tu étais devenue si rare. On a essayé de t'appeler plusieurs fois, mais tu n'as jamais répondu. La reine m'a interdit d'utiliser mon téléphone. Elle me l'a donné que la nuit et me laissait l'utiliser que pour quelques minutes. J'avais accepté cela seulement à cause de la mort de Jamike. Mais si tu savais, tu allais quitter ce palais depuis très longtemps au lieu de subir ces bêtises. C'est ça mon regret. Je m'ai abandonné mon travail juste à cause de la mort de Jamike. Maintenant, regardez. Il ne dit même rien. T'inquiète pas, chérie. On continuera toujours à te supporter jusqu'à ce que tu auras un autre travail. Bébé, je suis très contente de vous avoir comme amie. Qu'est-ce que j'allais faire sans vous, les filles? J'ai beaucoup apprécié. Merci. Ah, bébé, s'il te plaît, à quoi sert l'amitié? Tout va très bien se passer. Hein? Tout ira très bien, t'inquiète. Nous le savons ici. Merci beaucoup. Ah non, arrête, ça s'il te plaît. C'est quoi? S'il vous plaît, on fait quoi aujourd'hui? Amaka, nous t'avons écouté. Mais de tout ce que tu viens de dire, tu ne nous as pas donné aucune preuve suffisante pour nous convaincre que tu n'as jamais tué tes parents. Ça c'est vrai, Amaka, dis-nous la vérité. Amaka, en ces jours, ou bien ce matin, j'ai vu ta mère très irritée. Malheureusement, elle est morte. Amaka, qu'est-ce qui est arrivé? Mes anciens, je vous dis la vérité. Je ne mens pas. Je prends les sols sur lesquels je marche en témoin. Je n'ai pas tué mes parents. Je ne peux jamais, jamais tuer mes parents. Que Dieu soit mon témoin. Dieu le sait que je ne peux jamais tuer mes parents. Jamais.
Je n'ai pas tué mes parents. Les anciens, je vous en prie. Je n'ai pas tué mes parents, croyez-moi. Menteuse! Espèce de menteuse! Non, je ne mens pas. Si tu confesses, on ne prendra pas la police pour venir t'arrêter. Amaka, comment pouvons-nous croire à tout ceci? Croyez-moi, je ne sais pas comment c'est arrivé, je n'ai pas tué mes parents. Ne t'avait-il pas vu là-bas avec tes parents morts? Hein? C'est quoi? Que cela veut dire? Que veut dire ceci? N'ose plus me toucher. Amaka, tu es une menteuse. Ne me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas. Comment on peut te croire quand c'est spécialement clair que ce jour-là, le Ujobu que tu as utilisé, c'est un poison et tu l'as utilisé pour faire un remède à tes parents? Je ne savais pas. Je ne savais pas que ce feuille était le poison. Croyez-moi, s'il vous plaît. Dégage, ne me touche pas. Amaka, non, 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 non. Laisse-moi te dire maintenant, si tu ne le sais pas. Maintenant, je vais te dire que... Sache-le bien que tout ce que tu as fait, c'est l'abomination. Est-ce que tu m'entends? Et tu vas subir les conséquences de ton acte. Ne me touche pas. Bien, il t'a dit que... Je pense qu'on a fini avec ça. Oui. C'est la sorcellerie. C'est bon alors? Je pense que nous avons fini avec ces problèmes. D'accord. Qu'est-ce que c'est au juste? Ces larmes des crocodiles ne t'aidera pas. Je vous en prie. Tes pleurs ne t'aidera à rien. C'est pas la il est convaincu. Il est convaincu que tu les as tués intentionnellement. S'il vous plaît, croyez-moi. Je ne sais pas si Dieu est mort. Oh oui, Dieu le saura. Il est ferrant. Il le saura. N'ose pas me toucher. Ne me touche pas. D'ailleurs, je vais me déplacer d'ici. Non. Et je t'en prie de pas. N'ose pas. Ne me touche pas. N'ose pas me toucher. Juste, c'est que je sais que. Sois prête pour subir les conséquences de ton acte. Laisse-moi, ne me touche pas. Je vous en prie. Si tu veux, pleure toute la journée. Laisse-moi. Laisse-moi, ne me touche pas. Je vous en prie, croyez-moi. Je vous en prie. Bêtise. Insensé. Lucrèce, tu fais cette fille, hein? Vu que maintenant elle a couché, fais-le. Bébé. Oh, bébé. Comment vas-tu? Bien, bienvenue. Comment a été ta journée? Ah, très turbulente, mais enfin, je suis là. Vraiment? Et la tienne, ça a été? Très bien, très bien. Tu me manques. Bien sûr, mais j'ai une surprise pour toi. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu ne pars pas te laver avant de te montrer la surprise? Non, je n'aime pas des surprises. Pourquoi dis-moi, ne pas qu'est-ce d'abord aller te rafraîchir? Non, je veux savoir maintenant. Amaka, comment est ta discussion avec ton oncle et avec le conseil du roi? Aucun résultat n'est sorti de là, ma chérie. Je les ai tous suppliés. Je les ai vraiment suppliés de me croire parce que je n'avais pas fait ça. Ils ont refusé tous de m'écouter. Ils m'ont tous abandonné à mon sort. Amaka, tu es dans le trouble, oh. Tu es dans un grand problème. Je sais. J'ai appris que la punition du crime dont tu t'accuses, c'est l'ébannissement. Mais comment, Ujo? Comment est-ce qu'on peut me bannir pour un crime que je n'ai pas commis? Je sais que tu ne l'as pas fait. J'aime beaucoup mes parents. Et c'était la seule chose que j'avais au monde. Je les aime beaucoup. Comment pourrais-je le tuer? Écoute, ne ferme pas tes oreilles ou tes bras pour accepter d'être banni pour un crime que tu n'as pas commis. Ne le laisse pas faire. Ujo, qu'est-ce que tu fais que je fasse? Quoi? Qu'en est-il de Okosisi? Épouse-le, il peut t'aider. Et tu sais, il est capable de le faire. Pourquoi tu ne l'épouses pas? Comment peux-tu me demander d'épouser Okosisi? Okosisi n'est qu'un ami de la famille. Avec tous les conseils que tu m'as donnés, tu me demandes aujourd'hui d'épouser Okosisi.
Je l'aime pas. Je ne suis pas attirée par lui. Je suis trop jeune pour être sa femme. Combien de raisons veux-tu que je te donne? Ok, ok, d'accord, t'inquiète. Je crois que c'est la seule voie qui t'aidera à sortir de ces problèmes. Oh, tu continues à pleurer? Non, bienvenue. Hein? Ojoa, comment vas-tu? Odim. Merci beaucoup. Ok. Non, Ojoa. Ojoa, s'il te plaît, ne pars pas. Non, 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 vas-y, laisse-la partir. Laisse-la Ojo. Partir. Ojo, à plus tard. Amaka, pourquoi continues-tu à pleurer? Ce qui s'est passé est déjà passé. Pourquoi continues-tu à pleurer? Ok, je sais. Tout le monde est en train de te condamner. Personne ne veut te croire que tu n'es pas responsable à ce qui est arrivé à tes parents. Et tu ne t'attends même pas du tout qu'ils te croient un jour. Mais je ne l'ai pas fait, Ichi. Mais ils ne vont pas te croire. Ils ne vont pas. Et tel que c'est maintenant, tu as cette punition d'être banni qui se trouve sur ta tête. J'espère que tu comprends ce que ça veut dire. Mais tu vois, Amaka, la vérité c'est que je suis en mesure de tout changer. Aller au palais du roi, parler avec le roi, convoquer certains anciens et leur donner un peu d'argent et leur faire comprendre que nous ne pouvons pas aller aussi loin avec toi. Que tu es une jeune fille, hein? Mais Amaka, laisse-moi te dire, la seule chose que tu puisses faire dans tout ceci, c'est que tu dois accepter de m'épouser. Épouse Oko Sissi et toutes ces peines seront écartées de ta vue. Épouse-moi et commence à profiter de la vie. Épouse-moi et oublie tous ces problèmes. Essaye de le faire à Maka, essaye. Excepté si tu ne sais pas ce qui t'attend. Et je suis le seul qui puisse t'aider. Ichi Oko Sissi. Je te l'ai dit plusieurs fois que je ne veux pas t'épouser. Ichi. Il y a plusieurs choses que tu peux avoir chez moi. S'il te plaît, aide-moi sans pour autant me donner cette condition. Je t'en supplie. Je n'ai personne pour parler à ma faveur, mes parents sont plus là. Il n'y a personne qui ne veut m'entendre, tout le monde me chasse. Personne ne veut s'associer à moi. Je n'ai pas tué mes parents. S'il te plaît, aide-moi sans pour autant que tu aies à me donner cette condition. Amaka, et c'est la seule option. Accepte d'être ma femme. Accepte d'être ma femme. En fait, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu refuses de le faire? Je ne sais même pas d'où est-ce que ton têtu vient. C'est comme si tu te prends que tu n'es pas de ce monde. Qu'est-ce qui te prend au juste? C'est quoi? Un grand homme comme toi, je te demande de m'épouser et tu t'entêtes comme ça. Et je ne sais même pas d'où est-ce que tu as pris ce genre de comportement. Pas surtout de ton père ou de ta défunte mère. Ce n'est pas d'eux. Non. C'est quoi ton problème? Ne comprends-tu pas que ça sera un grand honneur si tu m'épousais dans cette communauté? Amaka, je te parle, tu t'en vas. Amaka, reviens ici. Reviens. Excepté que tu ne saches pas ce qui t'attend. Je te dis, tu seras banni. Tu seras banni. Et pas seulement que tu seras banni. Je prendrai aussi le jeune pour te lapider. Ils vont utiliser une très grosse pierre et casser cette tête dure. Tu ne me connais pas encore. Tu ne sais pas encore ce que je suis capable de faire. Amaka, tu entres dans la maison. Laisse-moi te dire que tu n'auras plus aucune maison où entrer. Dans cette communauté, si mon nom n'est pas Oko Sissi. Amaka! Hey! D'accord. J'ai cuisiné le maloko délicacé. Et j'espère que tu vas l'aimer. Comment sais-tu mon repas préféré, c'est le loco délicacé? Oh oui.
J'ai vous entendu parler de ça, toi et ta mère, dernièrement. Et elle a dit qu'elle va le cuisiner pour toi quand elle serait rentrée du village. Oui! Tu es maligne! Je peux apercevoir des harems. Mm-hmm. Oui, chérie, mais... C'était quoi le problème pour lequel ton père t'avait fait appeler? Rassure-toi, tu peux être tranquille. Il n'y a rien que tu pourrais t'inquiéter. Es-tu sûr? Oui, bien sûr. Je pourrais avoir mon nourriture. Oui, pourquoi ne pas aller partager un premièrement, avant la vraie nourriture? Ok, je suis d'accord. Notre peuple, égoué les anciens ont constaté, en regardant cette fille, ils m'ont demandé de vous annoncer. Nous sommes là pour vous écouter. Je prends la parole. Que vous le vouliez ou pas, je prends la parole en tant qu'ancien de ce royaume. Et je vous informe que Amaka que vous voyez, elle est responsable de la mort de ses parents. Qu'est-ce que tu veux faire? Enlève ta main. La ferme. Tu les as tués. Tu as fait le crime. Ferme-la, sorcière. Même pas. Non, tu l'avais fait. Je jure par les dieux. Elle est en train de mentir. Je jure de ma vie. Je n'ai pas tué mes parents. C'est un mensonge. C'est Ichiko Kosisi qui m'avait dit de leur donner cette feuille. C'est quoi, Amaka? Amaka, il n'y a rien qu'on puisse faire. Les anciens et Igwe ont décidé et ils ont pris cette décision. Et qu'est-ce qu'on fait à quelqu'un qui a tué ses parents? Elle sera bannie. On fait quoi? Elle sera bannie. Encore et encore? Elle sera bannie. Bien. Amaka, tu es ici pour être puni pour la vie. Le jour que tu remettras tes pieds sur cette terre, tu seras persécuté à mort. Oui. Exil. Tu es banni de ce village, tu es banni. Va-t'en, ne reviens plus, tu es banni.
banni. Tu es banni de ce village. Va-t'en, sorcière. Tu es banni, toi. Tu es banni. Sorcière, va-t'en. Ne reviens plus. Sorcière. Tu es banni, toi. Tu es banni. On ne veut plus de toi, va-t'en. On ne veut plus. Tu vas aller mourir, toi. Tu vas aller mourir dans la ville de ce village. Tu es banni. Tu es banni. Sorcière, sorcière, sorcière. Tu es banni. Sorcière. Tu es banni.
J'aime cette place à cause de cette bonne aération. Oui, un bon endroit pour passer des temps. Ces garçons que nous avons envoyé pour le vin de palme, il prend assez de temps. Oui, tiens. Je sais pas qui l'a pris. Mais où nous l'avons envoyé n'est pas très loin d'ici. Il ne devait pas traîner. Laissons qu'on puisse être un peu présent. Mes salutations, Uchi. Oui, salut. Qu'est-ce qui t'a fait traîner? Uchi, l'incroyable est arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous. Je venais de voir Amuta. Il m'a demandé de venir vous informer que OTK, le docteur magicien, est mort. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. OTK, le docteur magicien? Oui. Il est mort? Oui. Comment est-ce que c'est possible? Non. Comment est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Aïe. Selon Amuta, sur son chemin vers le temple, quelque chose de très puissant a frappé OTK et tombé. Et il a commencé à vomir le sang. Et il est mort avant qu'il le sache. Ah! Mort, tu dis? Oui. Une plus grande force dans notre village. Comment ça? Ça lui a coûté la vie? Hey! C'est vraiment possible. Parce que vu la situation actuelle, on m'avait envoyé de vous livrer ces messages. C'est ce que j'ai fait. Je prends congé de vous. Ah! Je dois aller, que j'aille dans son sanctuaire voir de mes propres yeux. Qu'est-ce que tu dis? OTK ne doit pas mourir. Il ne doit pas mourir. Oui. Hein? Une force plus grande. Je vais bien. Ça va? Je vais bien. Est-ce que ça va? Je vais bien. C'est juste que j'ai failli. OTK ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir et me laisser. Je tiens énormément à lui. Ah. Oui. Hey. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mon cher ne sois pas malade. Tu vas bien, Sissi? Je vais bien. Ne vous inquiétez pas pour rien. OTK ne peut pas me laisser. Il ne peut pas. Qui m'a frappé? Personne. Il y a personne. Qui va t'en vouloir? Qu'est-ce que toi tu es en train de voir? On ne vous frappe pas vous? Personne. C'est pas nous. Pourtant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que vous me frappez? Comment est-ce qu'on ne vous frappe pas? Ok, c'est bon, je vais leur dire. Je vais leur dire. Ok, c'est... Oui, je l'avais fait. Tu as fait quoi? Tu as fait? Je l'avais fait. Tu as fait quoi? Mais je suis en train de leur dire. Je leur dis. Attendez, calmez-vous. Oui, je l'avais fait. Mm-hmm. Mais j'ai commis. Mais je suis en train de leur dire. Non, arrêtez. Je suis en train de leur dire, mais j'ai commis beaucoup d'atrocités dans cette communauté. Je sais. Arrêtez, non, ça. Aïe! Je suis en train de parler. Est-ce que je suis pas en train de parler? Vas-y. Ok, d'accord. J'ai dit. Oui, non, ils avaient pris l'argent auprès de moi et ils avaient refusé d'influencer leur fille. De m'épouser. Je suis celui qui avait demandé aussi à Amaka de prendre ses fêtes de Djubo et de les donner à ses parents. Je savais qu'il n'allait pas. Allô. Okosisi. Je ne savais pas tout ça, non. Et je suis aussi responsable du fait que Amaka soit pas. Ne suis-je pas en train de confesser? Hein? Toutes ces portions de terre que j'avais prises. Okosisi. C'est bien là. Tu me fais peur. Hey. Dégagez la sorcière. Ne me touche pas.
Okosisi. Sorcier, ne me touche pas. Tu es en train de mourir pour tes péchés. Tu mérites cette conséquence. Okosisi, c'est bien fait pour toi. Hey, Okosisi, tu as accepté de tuer deux personnes. Un homme méchant. Et sorcier tu es. Il est déjà mort comme il est là. Non mais attends, on va les laisser ici comme ça. Bon, alors nous allons parler à tout le monde là-bas. Mon peuple du royaume Mbano, je vous salue tous. Nous vous saluons aussi. Comme nous le savons tous, notre Onowu a perdu la vie. À propos de l'air des filles, le Igwe m'a envoyé de s'adresser à vous, son peuple. Le Igwe a donné les instructions qu'elle a depuis de Okosisi soit jeté dans la forêt des démons. Mm-hmm. À cause de toutes ces atrocités qu'il a commis dans ce village. Mm-hmm. Mm-hmm. Le Igwe m'a demandé de dire à tout le monde que toutes les terres et les propriétés que Okosisi a arrachées aux gens de manière étrange seront remises à leurs propriétaires. Mm-hmm. Ça, c'est vrai. C'est ça que j'avais prévu de vous dire. Merci à tous. Notre peuple, est-ce que vous avez écouté? Oui. Est-ce que vous avez écouté? Oui. Bien. Le jeune de notre village, entrez là-bas. Amenons Okosisi et allons le jeter dans la forêt des démons. Oui, allons-y. Vite, rapidement. Oui, il faut ça. Elle doit être très bannie, oui, c'est sûr. Oh, mais où est-ce que tu vas? Hein? Où est-ce que tu vas comme ça? Je rentre dans la maison de mes parents. Veux-tu m'arrêter? Hey, hey, hey. Donc tu pars parce que mon père est mort? Bien sûr que je vais partir. Ha! Que veux-tu que je fasse ici pendant que mon mari est décédé? Je n'ai pas eu d'enfant avec lui, alors qu'est-ce que je vais rester faire ici? Ok, je t'avais bien dit que tout ce qui arrivera à ton mari, tu seras la seule à perdre. Mais tu disais que j'ai menté. Tu l'as vu maintenant? Uh-huh. Reviens en haut. Tu n'iras nulle part. Tu dois venir me payer mon argent. Madame, écoute. Okosisi n'a rien laissé ici pour se réjouir. Rien du tout, je te dis. D'ailleurs, si tu restais ici, tu vas souffrir. Parce qu'il ne t'a rien laissé pour se réjouir ici. Moi, je m'en vais. Si c'est pour cette voiture, oh, ça ne me suffit pas. Oh. Franchement, je ne vois rien dans cette maison qui pourra me rendre heureuse ici, moi et Gotchuku. Alors, écoutez-moi bien. Je m'en vais. Alors, si vous êtes de vraies femmes, venez m'arrêter. Tu n'iras nulle part. Okosisi, mon mari, a de ça l'argent. Ça ne me regarde pas. Il a une voiture. Je m'en et vais. Il a des terres. Reviens allez, vers notre mari. Oh. Mais viens reviens m'arrêter. Reviens soutenir viens notre m'arrêter. Mari. Si tu es une femme. Reviens vers ton mari. Je m'en vais. Reste ici. Mais tu n'as qu'à rester te réjouir avec tout ce que tu veux. Moi, je m'en vais. C'est pas ton problème. Mais viens, non. Arrête, maman. Viens, arrête. Je ne suis pas en train de t'affronter. Attends, tu verras. C'est tout, non. Tu vas rester souffrir dans cette maison. Maman, arrête. Je soutiendrai mon mari jusqu'à la fin. Attends, maman. Attends. Écoute, non. Permets-moi de recadrer cette fille. Attends, calme-toi. Que je me calme. Ok, je me suis calmée. Elle a raison. Maman, papa nous a rien laissé du tout. À l'exception de cette vieille voiture. Tais-toi. Je te dis tais-toi. Est-ce facile qu'un homme de ce village puisse laisser cette voiture? Est-ce facile? Il a la voiture et il a des terres. Mon mari a de l'argent. Il a de l'argent. Laisse-la partir. D'ailleurs, maman, c'est je te dis juste problème. La vérité. Tu m'entends? Oh. Laisse-la partir. Allez, maman, entrons. Je suis en train de te dire la vérité. Oh. C'est la vérité. Mais gars, si je savais que Chief Okosisi était derrière tous ces différents problèmes qui ont pu causer du tort aux parents de Yamaka. Écoutez, j'allais l'affronter. Regarde-moi celui qui parle. Tu n'as pas à te sentir mal. Oui, ce monsieur a récolté ce qu'il avait semé. Oui, pour sa méchanceté. Quand les parents de Uju l'avaient l'influencé d'épouser ces gars riches de l'étranger, mon intention était tournée vers Obi. Mais après cet incident, les membres de ma famille étaient hésitants pour faire l'arrangement du mariage. Mais, mon frère, c'est exactement ce que tout le monde avait cru ici. Le mal est inclus dans leur sang.
Ha, là tu parles. Tu vois, tel père, telle fille. Allons-nous-en d'ici. Partons d'ici. Mais écoutez, Mégar, je crois que un jour, je finirai par trouver, définitivement, je trouverai une bonne fille à épouser. Oui. Écoutez, très bientôt, nous allons finalement trouver des filles très bien éduquées. C'est que nous allons épouser. Hey, 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 hey. Tu vois, c'est pourquoi on dit que les femmes belles sont difficiles à trouver. Encore, elle était comme ça. Mais gars, je ne comprends pas. Mais qui va marier cette lettre? Toi, non. Tu arrêtes cette taille. Arrêtez, s'il vous plaît. Oui, c'est la vérité. Oh, Vina, laisse tomber. On a besoin de cette taille, tu sais, qui est comme ça, hein. Comme ça, toi, comme toi, ça. Regarde ce que toi tu aimes, hein. Je parle vraiment ce que toi tu aimes. Ah, non. Ne t'inquiète pas.